Allez. Pour tout ça, et ça va pas se faire tout seul. On va se... Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Je sais pas, mais c'est pas grave. On va faire comme ça. Allez, let's go. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 27 septembre. Il est un petit peu plus de 21h. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça va, globalement. Ah, les transports en commun, comme d'habitude. Ce soir, comme indiqué dans le titre, on va se faire un... Comment? Un retour sur ce qu'on a fait il y a 2 semaines. Parce que c'est une bonne soirée, mais à la fin, on a vu que ce qu'on avait fait ne servait à rien. Voilà, tout simplement. Parce que pour pouvoir expérimenter en termes de chaos engineering, on a besoin de déployer des choses qui sont en haute dispo. Et le choix que j'avais fait initialement, sans aller lire la documentation, évidemment, hein, la doc c'est pour les faibles, donc je disais, l'outil qui s'appelle Ghost ne supporte pas la haute dispo. Bon. Voilà. Donc on va s'attaquer à ça. Avant, j'aimerais quand même revenir un petit peu sur ce que... Alors déjà, je vais remercier les derniers followers. Parce que la semaine dernière, il y en avait un nouveau, je ne l'avais pas dit. Il y a Musketeer 87. Et il y a 3 jours, j'ai Fira qui s'est... qui s'est mis à follow. Alors ça me dit que le live est instable, mais je pourrais l'air d'avoir... pour l'air d'être plus instable que ça. C'est le PC qui est instable, il devrait le savoir depuis le temps. Voilà. La semaine dernière, rappelez-vous, on avait ressuscité Pépère, là. On lui avait collé un petit Android 11, donc il a fait un saut de 5 versions d'Android d'un coup. Et ben, le week-end dernier, j'ai joué un peu avec pour installer 2-3 applis, pour... je l'ai éteint. Bon, la batterie est secouée, hein, donc le machin s'est vidé à une vitesse pas permis. Mais, comment? Et du coup, je me suis dit que, alors pour l'instant, j'ai personne à qui le refiler. J'en ai pas besoin moi-même. Et donc, je me suis dit que ça ferait un bon appareil pour pouvoir tester des choses sur des futurs lives. Parce que typiquement, les premiers qu'on a fait sur la synchro de calendrier, sur la synchro de contact, que ce soit ou alors le test avec Ultrasonic, donc pour faire un Spotify-like, ouais, c'était bien, hein, mais c'était avec mon téléphone perso, donc on risquait de voir des choses qu'on j'avais pas spécialement envie de partager. Donc là, l'idée, c'est de... voilà, c'est du coup, j'ai une plateforme supplémentaire de test assez récente, du coup, en termes d'Android, pour pouvoir faire des choses sans risquer de partager des données privées avec d'autres personnes. On ne pourra pas tout faire, mais typiquement, j'ai envie de mettre en place un système de notification maison. Enfin, je veux tester un serveur de notification pour mobile, autre. Et ça me plairait beaucoup, du coup, de le tester avec ce téléphone-là. Comme ça, si ça fonctionne, j'envisagerais de l'installer sur mon téléphone à moi. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc ça c'est une chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Non, par rapport au stream, est-ce que j'avais autre chose à dire? Plus tant que ça, hein. Bonsoir, Maddatech. Comment ça va? Donc du coup, je pense que voilà, ouais, c'est à peu près tout pour les news.
Alors ouais, donc là, comme je disais, donc vous voyez, hein, il y a 2 semaines, on s'est fait le premier épisode Chaos Engineering. La semaine dernière, j'ai fait Android. Là, cette semaine, je reviens sur Chaos Engineering. Et je sais. En fait, j'ai envie de garder les sujets variés. J'ai envie de pas m'interdire de pouvoir changer de sujet au dernier moment. Du coup, je garantis pas qu'on va faire plusieurs semaines pour arriver à notre expérimentation Chaos Engineering tout de suite. Comment? J'aime bien alterner un petit peu, et surtout dans des univers assez différents. Un petit peu comme ce que j'ai pu faire avec mon blog, hein, pendant des années, hein, c'est-à-dire que à la période la plus forte où je balançais un article tous les 2 jours, parce que j'avais pas de boulot, que j'avais que ça à foutre, je me suis, voilà, je me réserve le droit de varier les sujets pour discuter de plein de choses. Vous voyez, il y a quelques temps, on a fait un peu d'IA générative. Il y a eu pas mal de mouvements. Il y a eu pas mal de nouveaux modèles aussi. Et il y a des choses qui m'ont beaucoup surpris. Et il y a des choses où j'ai pas pu utiliser beaucoup et j'aimerais bien essayer de revenir dessus pour voir si on avance vers quelque chose qui commence à devenir facile à utiliser pour le commun des mortels. Parce qu'actuellement, on va pas se mentir, il y a beaucoup de choses où c'est encore très technique. Installer Olyama et se dire on va utiliser un truc en ligne de commande dans PowerShell, bah j'appelle pas ça un truc utilisable pour les humains. Donc voilà, l'idée ça va être de chercher quelque chose qui. Voilà, de parcourir un peu les dernières évolutions. On fera peut-être ça la semaine prochaine, je sais pas, on verra. Il y a aussi pas mal de petites problématiques liées à la législation en Europe aussi qui chatouillent un peu. Bon, bref, voilà. Donc, alors, ce que je disais, on va donc devoir trouver une autre solution parce que on ne peut pas faire de clustering avec du Ghost. Ça, c'est réglé, on n'en parle plus. Par quoi le remplacer? En début de semaine, j'ai commencé à y réfléchir et mon cerveau m'a remis en tête un truc que j'avais eu l'occasion de bidouiller un peu à une époque chez LinkBynet, grâce à Maxence d'ailleurs, un héros, qui avait commencé à travailler dessus pour un outil maison qui s'appelle Grave. Grave, c'est un CMS open source écrit en PHP, mais qui utilise des fichiers plats en Markdown. Donc vous écrivez des fichiers Markdown et il va vous transformer ça en page HTML. Paf paf. Alors du coup, il n'y a pas de base de données, contrairement à Ghost, où on avait installé une base de données dans MariaDB. Mais par contre, bah, on peut utiliser du caching, et donc il suffit de paramétrer. Bon, alors il y a Opcache pour la partie PHP, mais ça c'est un. Et surtout, ça. Tac 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 tac, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a un support de Redis pour faire du caching. Et si vous vous souvenez, j'avais parlé que je voulais utiliser Valkey. Donc on avait terminé le live en n'étant pas très opérationnel sur le fait d'utiliser Valkey. Ok, non, c'est bon. Je viens d'avoir un petit flash d'écran pour l'instant. Rien de grave. Donc voilà, on a ces possibilités-là qui sont visage très fort. Donc là voilà, donc manifestement la configuration elle est quand même. Elle est quand même assez intéressante. Cache préfixe string, ouais, préfixe G, d'accord, oui, pourquoi pas. Du coup, folder modify timestamp. Ok, oula. You can easily force the cache to clear by just touching saving a configuration file. D'accord. Ensuite, on a des trucs, ready spécifique option avec le serveur et le port. C'est exactement ce qu'on veut. Parfait. Donc, du coup, voilà, ça, c'est une option. Et puis, en discutant avec un collègue cette semaine,
Il m'a rappelé l'existence d'une certaine catégorie de pages qu'on a enfin qui commence à se développer beaucoup, notamment via GitHub, parce que ça permet de garder l'historique, la mise à jour, etc. et la contribution. Et donc, c'est les pages dites awesome. Donc, on a awesome. Il y en a pour tous les langages de programmation ou presque, des awesome Python, awesome Java, awesome JavaScript, etc. Et on a le awesome self-hosted. Et donc, derrière, vous avez une page où vous avez une quantité. Une chier, hein, parce que si on. Alors, je vais m'amuser. Est-ce que ça va bien passer au niveau du stream? Si je fais ça, est-ce qu'on a le droit à la bouillie de pixels? Oui. Alors là, je me suis amusé à y aller beaucoup moins vite sur la roulette. Donc vous voyez, il y a énormément de liens avec différentes catégories. Et donc moi, au départ, j'étais parti sur Ghost parce que je voulais rester sur le modèle d'un type d'application assez, comment dire, assez répandu, qui sont les plateformes de blog, tout simplement. Et donc, et c'est pour ça que j'étais parti sur Ghost au départ. Bon, pas de bol, hein. Voilà. Mais, du coup, est-ce que là on a les CMS? Ah oui, donc du coup, j'imagine que WordPress rentre là-dedans, voilà, ok. Donc moi j'étais parti sur une base WordPress qui est maintenant vraiment taguée CMS Engine. Bon, vous voyez qu'avec les releases récentes et quand on voit la gueule des trucs. Quand on voit la gueule de ce que fait l'éditeur maintenant, on peut comprendre. Et du coup, est-ce que. Non, on voit beaucoup de PHP, Node.js, .NET, oh la vache. Un truc en Python, là. D'accord. Bon, l'idée, c'est que je vais pas non plus partir sur quelque chose de trop exotique. Parce que il faut quand même qu'on puisse comprendre l'application, comprendre sa structure assez rapidement, qu'on n'ait pas besoin de 3 lives de lecture de documentation pour comprendre comment c'est développé. Mais sinon, comment. Alors. Bon, ça, c'est les XMPP, vidéo. Ah, vidéo conférencing. Est-ce que. Oh, ça va être galère. Ça va être galère. Je cherche quand même quelque chose de relativement simple. C'est pour ça que grave est intéressant. Même si on perd la base de données, on a quand même le caching. L'idée, c'est aussi de voir que. Parce que comme on va avoir dans notre voyage, hein, comme je l'ai appelé, on va avoir une partie observabilité. Donc, la partie observabilité qu'on va probablement, même très certainement. Basé sur OpenTelemetry. Donc on va avoir besoin de mettre les mains dedans, quoi. Et donc j'aimerais voir autre chose que juste l'application elle-même qui bosse dans son coin. Tac, tac, tac. Non, le mail, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, je vais repartir du début. Parce qu'on a quand même une chier de catégorie. Tac tac tac. Alors faut pas hésiter à proposer des trucs aussi, hein, parce que c'est pas parce que je. Là, j'ai cherché quoi? Automation, blogging platform. Ça c'est du flat file un peu comme ce qu'on a là, parce qu'avec Grave. Ensuite on a quoi? Booking, scheduling. Ah, peut-être que. Open source, online appointment, scheduling system. Alors ça c'est quoi du coup? Un truc de planification. Ouais. Ok. Là il nous colle plein de trucs.
Alors, auto-héberger. Auto-héberger, on arrive directement sur le truc du site web. On a quoi? Feature de Hacker News, on s'en fout. Product Hunt, on s'en fout. C'est basé sur du React, d'accord. Il y a besoin d'une base, ok. Pour bon, les intégrations services externes, on est d'accord. Ensuite, il y a des trucs avec une clé secrète, machin, d'accord. Le public logger level, d'accord, on s'en fout. Setup PostgreSDB with render, on s'en sait pas trop ce que c'est. If you don't want to create a local DB, you can consider services like Railway, donc on s'en fout. Tac tac tac, ouais, Prisma Studio, je me souviens plus ce que c'est, mais. Ok, donc ça. Il y a un Docker repository qui permet de dire coucou. On fait un Docker compose pool, Docker compose up. Après, on a le build and run. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup d'options pour dire coucou, branche-toi sur un. Et ensuite, on a énormément de trucs. Bref. Ça, oh là là, oui, bon, ça commence à parler d'un peu trop d'applications là. Oui, comme c'est un truc de planification, il y a forcément beaucoup d'interactions. C'est pas ce qu'on cherche. Bon, ça, je peux fermer parce qu'on n'en a pas besoin. C'est dommage. Ça aurait pu être intéressant. Après, on a quoi? Bookmark, link sharing. Ah, peut-être qu'on pourrait se faire un petit truc comme ça. Genre les vieux Charlie, mais vu qu'on veut déployer ça dans du Docker, on a peut-être besoin. Tac tac tac, on a quoi? Archive Manager, un truc qui s'appelle Link Warden. Ouais. Alors. Doc. Self-hosting, open source. Self-hosting, installation. Oui, on a compris, gna gna gna, vous faites du cloud, merci. Donc après, là, on a la même chose, c'est basé sur du Next, avec une base Postgre pour la partie back-end, d'accord. Donc il n'y a rien d'autre a priori. On n'a pas de système, on n'a pas de gestion de... De type, encore une, là on n'a pas de cache non plus, c'est si on fait ça. Bon, j'ai beau. Il n'y a pas l'air d'avoir de documentation. Alors, si je mets ça, on a quoi? Short walkthrough. Ouais. Various data archival solution. Alors, tac tac tac, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, on a besoin d'un PostgreSQL, d'accord. On propose une doc pour déployer un Postgre. Ok. Et après, derrière, il faut un déploiement. Ce qui m'emmerde là-dedans, c'est que comment il gère use pass because mount is uncommon NFS share. Oui, bon, ça c'est.
Ah oui, alors ça, tiens, c'est un truc, je ne sais plus qui c'est qui m'en avait parlé. Dans mon cluster, moi, j'utilise le... Comment? J'utilise l'external, enfin le provider NFS CSI, qui me permet de créer des volumes de manière dynamique, mais si vous voulez gérer plus ou moins à la main vos volumes, vous pouvez tout à fait. Et en plus, vous n'avez même pas besoin de créer un physical volume et ensuite créer un PVC. Vous pouvez déclarer le volume NFS directement dans le comment? Dans le manifeste du déploiement. Vous dites voilà, coucou, pouf pouf, le serveur c'est celui-là, le chemin c'est celui-là. Voilà. Et après derrière, vous balancez un subpass, comme ça vous êtes sûr que vous avez directement votre. Donc ça vous évite de devoir gérer la partie physical volume, etc. Si vraiment ça vous emmerde. Moi, j'avais envie que ce soit géré de manière dynamique, un petit peu plus, de manière un peu plus raccord avec ce que je faisais au boulot, où on avait derrière un... Bah, surtout sur la plateforme du client, où il y avait quasiment 300 sites. Donc là, on est content de gérer les volumes, avec un provider en particulier. Quand vous êtes sur du cloud, vous gérez avec un provider, donc vous avez juste à créer votre persistant de volume Clane et ça va vous gérer le PV pour vous. Donc voilà, moi je l'ai fait comme ça. J'ai choisi de le faire comme ça, et donc après on a pouf pouf, ingress, oui bon ça on s'en fout. Tac tac tac. Access register, ouais d'accord, mais c'est tout. Mais du coup on fait comment si jamais on veut. On n'a pas de warning pour dire hey, Ghost ça supporte pas ou Link Warden ça supporte pas. Il n'y a pas plus d'infos que ça, j'ai l'impression. Hein. C'est pas. Si on tape cluster. Ouais, bof. Pour l'impression que ce soit. Alors là, on a. C'est quoi? Oh! Alors on a un chart. Si on a un chart, j'imagine que. On a la possibilité d'avoir. On a le values. Vous voyez, le truc qui fait un poil peur, c'est que bon, on a plein de trucs, hein, mais je vois pas la gestion des réplicas. Alors, est-ce que en fouillant dans le chart un petit peu, on a. Allez, on y va. Oula. Wow. Ok, ça c'est un secret, mais. Il n'y a plus rien là-dedans. Qu'est-ce qu'ils me font, les gars, là? Ah putain! Non, bah non, chart stable link by net. Alors pourquoi quand on. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est le chart.yaml, le README. Le question. Il n'y a rien dans le template, comment on peut.
Qu'est-ce que c'est que ce Beans encore? C'est un bonheur cette histoire. Y a rien en autre charte. Qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce qu'ils espèrent qu'on fasse avec? Alors j'ai raté un truc et stable. Ah, elle est quand même forte de café, celle-là. Ah, d'accord. Ok. Ok, un chart common. Alors, le chart common, qu'est-ce qu'il fait, lui? Commento. Ah, pas de bol. Incubateur. Non. Pas foufou cette histoire, hein. On est dans True Chart Charts, ouais, ok. Et après, il va dans Chart Stable. Inkwarden, ouais, bah oui. Du coup, le chart commun, on n'y a pas accès, c'est pas cette histoire. Bon. Ça va pas être ça, alors, du coup. Bon, bref, allez, tant pis. Tant pis, tant pis, on laisse tomber, voyons voir autre chose. Oui, alors, non. Quoique, hein. Ils ont changé les docs de cette merde ou... Parce que ça, honnêtement, Firefox account, je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Et du coup, donc il y a deux choses, hein. Le Firefox account, donc pour gérer le compte Firefox, donc celui qui est là et qui du coup pour vous est derrière là, dans le chat. Et comment? Donc ça c'est pour le truc de synchro et donc enfin ça pour le compte. Et derrière, vous avez la deuxième appli qui est le compte, enfin le serveur de Synchro, qui est celui qui permet de synchroniser les marque-pages et éventuellement les autres éléments du. Comment? Les autres éléments du. Comment? Du navigateur, les onglets, les mots de passe, les cartes de crédit, parce que maintenant ils proposent de stocker ça directement dans le navigateur. Donc bon, c'est pas. Voilà, c'est pas la folie. Mais comment? Mais en vrai, si ça c'est censé marcher, enfin si ça on est capable. Oh! J'ai du mal à croire que ce truc-là soit si. Donc du coup on a quoi? Ouais c'est le content de serveur je crois. Hein.
C'est quand même assez dingue, hein, comme truc. J'avoue que c'est quand même quelque chose. Alors pour la blague, est-ce que ça c'est encore Donc l'issue a été fermée, machin, ok. En 2020, ça chatouillait encore un peu sur Firefox Mobile. Bon, okay. Pas la folie. Bon, de toute façon, on va pas s'emmerder avec ça, c'est pas le but du jeu. Non, je pense que je vais m'en rester, je vais en rester à ce que j'ai fait avec. Avec grave, hein. J'ai pas spécialement envie d'avoir un truc trop complexe à mettre en place. Qu'est-ce qu'on a aussi Alors. Ça, c'est le mail. Ça, c'est les machin. Mail transfert. Mail list. Webmail client. IRC. Oh là. On va peut-être pas. On va peut-être pas déconner non plus. Qu'est-ce que c'est ça? Ergo chat, about the server. Modern IRC, machin. Bleeding IRC V3 support. Ok. Highly customizable. Si on regarde l'admin guide, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse. Scalability, ça m'a. Alors, tac tac tac, we believe Ergo should scale, ok. Does not support server to server linking, meaning that all clients must connect to the same instance. Ok, bon bah voilà, ça corrige directement la question. Ah. Ok. Oh, intéressant. Donc par défaut, c'est pas fait pour supporter le truc directement, mais comme a priori la base de données en dessous supporte. Ergo instance. Alors ça, c'est le fichier de conf. Enfin, irc.hbang machin, tac tac tac, ok, il balance le truc, WebSocket et KTLS, ouais, là il faut directement le certificat dedans. Ce qui est pas forcément connexion Tor, on s'en bat peut-être les couilles. Ensuite on a des whitelists avec des IP avec hbang, d'accord. Le MOTD, mais alors du coup, ressources. Ah, voilà. Déploiement, réplica 1, pas de bol, c'est pas exactement ce qu'on veut. Recreate, IRC, service, et un persistant de volume claim. D'accord. La customization fait quoi? Elle te dit, attends, ça prend le certificat. Par cert manager, let's encrypt. Ok. Donc de ce côté-là, ça calme un peu le jeu. Et du coup, tac tac config map, disable name suffix htrue. L'image c'est ergo chat ergo avec 2.14 machin. Et ça du coup, ça modifie l'image qui est là. Là ici. Ok.
Ouais, je suis quand même pas super super fan. Bon, hop, allez, suivant. Peut-être pas IRC, communication, on s'en fout. Discours, ça me rappelle des choses. Tiens, bah est-ce que discours, justement, il est capable de... Getting started. Discours setup. Et on s'en bat les couilles. Sérieux là ou... Quand on veut une doc, on n'a pas de... C'est quoi le délire là? Discover, c'est quoi ça? Non, ça c'est les... Ok. Wow. Alors, features. Discourse on GitHub. Allez, discourse on GitHub. Peut-être que sur GitHub, il y a peut-être une vraie doc, du coup, pour s'en charger. Développement, setting up discourse, voilà. Bon, bah là, ça supporte les différents... Ok, donc ça utilise du Ruby, du Postgre et du Redis. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Peut-être qu'on va avoir un truc... Alors, ok, donc ça c'est la base technique. On a un Docker demo, machin, developing with Docker, donc là ils nous disent, machin, start container. Ok. Running test. Ouais. Ok. Ouais, Balek. Enfin, Balek, donc du coup, non. Quoique, attends. Voyons voir. Bitnami, ils font des choses. On a vraiment envie de... alors, tac, 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 ok. Ah, pardon. Donc là, on a une image Docker Bitnami Discourse. Alors, si on va sur hub. Oh de Dieu.
Et il build pour arme 64. Oh bah ça me plaît bien ça. Je sais pour vous, mais moi ça me plaît. Ah, finalement, hein, on va peut-être avoir un truc qui vaut le coup. Alors le chart, il fait quoi pour le coup par contre? Ouais, il a l'air d'avoir vraiment une chier d'options, hein. Les mecs ils gèrent vraiment. Hein. Ça embarque sidekick, ok. On a un external redis qu'on peut paramétrer, donc ça c'est génial. Et on a un external database. On peut paramétrer aussi. Alors. Ah, quoique, non, il y a PostgreSQL directement d'embarquer dans le truc. Oh. Oh, j'aime bien ça. J'aime très fort. Bon, là, il met du Redis. Bon, pire, on garde Redis, hein, mais dans le chart, il y a tout. Dans le chart, il y a tout. Et on a du Redis, du Sidekick. Et le. Du PostgreSQL. Ouais, en vrai, j'ai envie de dire, hein, ça nous fait une bonne application multi-composants, mieux que ce qu'on ferait nous-mêmes. Ah oui, alors. Ouais, autre. J'aimerais bien avoir un peu plus de public. Parce que ça m'aurait permis de me faire rattraper la semaine dernière quand j'ai sorti une énorme connerie autour de VMware. En disant que c'était Qualcomm et pas Broadcom. Voilà. Hein. Vous voyez? À me faire parler en plus en fin de soirée comme ça, faut que j'arrête de parler en fait, tout simplement. Donc du coup, ouais, en fait, y a tout là-dedans. Pourquoi je m'emmerde? Alors, il y a tout. Si on regarde le values, par contre, il nous fait quoi? Donc, on a l'image, ok, qui font eux-mêmes. On a de l'authentification. Donc, là, pour le coup, il faudrait peut-être qu'on se fasse un fichier values nous-mêmes. Le nom du site, d'accord. Le SMTP, on s'en balèque. Topologie, on s'en bat les couilles pour l'instant. Et on a un pod description budget. Donc ça veut dire que le machin, si on déploie deux instances et qu'on commence à faire le kekos avec la haute dispo, c'est censé marcher. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. C'est comme ça que je le vois. Alors par contre, ouais, le chart Redis, est-ce que leur chart. Donc on a vu Redis. Redis enabled. Architecture standalone. Alors voilà. Est-ce que là, cette architecture-là, on peut le foutre en cluster dès le départ? Qu'ils utilisent leur propre chart Redis. Alors si on va voir leur chart Redis, il est là. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'ils ont du Valky Cluster et Valky Cluster, d'accord. Hop, alors. Si on cherche dans le values d'ici, gna. Architecture, réplication. Voilà, et donc si on met réplication là-dedans. Derrière, on a la config du master. Ah, il y a du monde, hein.
Et les configs de réplica avec... D'accord, ok. Ouais, ça me va bien ça. Comme ça, on va même pouvoir s'amuser à tester dans le futur. Finalement. Eh ben, tentons ça. Allez. Il est temps de mettre les mains dans de la ligne de commande parce qu'à un moment donné. Alors. Ouais, du coup, on avait gardé un dossier Ghost Chaos, et donc lui, pour le coup, donc on va pouvoir se permettre de faire un truc un peu dégueulasse du type Ghost Chaos delete namespace. Allez, hein, hop, comme ça on n'en parle plus. Comme ça, ça dégage tout d'un coup. Enfin, ça dégage tout d'un coup. Merde. Hop. Voilà. Ok, donc il n'y a plus de namespace, tout a viré. Allez. Du coup, on va repartir sur un discours. C'est dégueulasse, mais... Enfin, c'est dégueulasse. Je ne suis pas un gros fan de l'appli, mais au moins, on a dedans tout ce qu'on a envie. C'est-à-dire du front avec la possibilité normalement d'avoir plus d'un réplica et comment et la possibilité de le déployer déjà dans mon cluster de Raspberry Pi et qu'est-ce que j'ai dit je ne sais plus. Le comment et donc on a plusieurs composants qu'on va pouvoir manipuler derrière, ce qui me plaît bien, ce qui me plaît bien. Enfin, alors que je regarde un peu le truc parce que quand on met PostgreSQL true, alors faut que je revienne sur le. Chart configuration, voilà, c'est ça. Et donc on a du primaire potentiellement et du... D'accord, on le met en standalone. Lui, pour le coup, honnêtement, alors ça je l'ai déjà dit, hein, c'est pas la première fois, mais dans le cas de l'expérimentation, je veux me concentrer sur les éléments au-dessus. Des ressources qui sont habituellement comment dire, je vais y arriver, mais non comment dire, non réplicables, en tout cas où les bases de données et le stockage par exemple à mettre en haute disponibilité et c'est un domaine complètement différent, beaucoup plus chiant, et je vais volontairement faire l'impasse sur ces éléments là qui restent intéressants, mais qui sont pas nécessaires pour l'expérimentation et pour en comprendre les tenants, les aboutissants. Donc, du coup, le chart Bitnami Discourse. Allez, c'est parti. Alors, eux, ils s'emmerdent plus. Même pas, tu gères le... comment ? Même pas, tu gères ça. Tu fais un Elb install directement OCI avec le Bitnami Chart, qui est sur Docker. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, par contre. Ça va pas marcher. Voilà, j'en ai ras-le-bol de ces outils. Ouais, voilà. Alors, on va passer par une... Hop, on va mettre à jour tous les plugins. On a 3.16.1, je crois. Oui, voilà. On va mettre à jour Helm pour être sûr d'avoir la version la plus récente. Global Helm 3.16.1. Et normalement, j'ai...
Ok, donc il a bien. Je sais pas pourquoi il m'a pas mis le étoile pour mettre la version qu'il utilise. Voilà. On va pas s'emmerder avec les binaires qui servent plus à rien. Alors, ouais, alors du coup, ce qu'on va faire, je vais faire un helm. Je vais volontairement faire un helm pool parce que là, vu qu'il s'agit de. Comment? Voilà. Vu qu'il s'agit directement. Enfin, d'une chart directement, on récupère le truc. Et bon, l'idée, c'est de vérifier le contenu de l'archive et surtout d'en extraire. Voilà, donc directement discourse chart.yaml. Voilà. Enfin, values.yaml. Donc je veux juste extraire ce fichier-là pour en faire un values custom. XFZ, discourse, et je mets le chemin là. Et strip components égale 1, je crois que c'est ça. Alors, hop, côté. Voilà. Et là, j'ai mon values. Donc, on a le values YAML qui est quand même assez, voilà, assez énervé. Donc, dans les trucs qu'on a, on a ça, l'email, le username, le password. Alors, avec un peu de chance, et comme on ne va pas activer, Toto. On va mettre du con. La joie.com. Username. Et Toto. Hein. Alors, password, 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 at param, out.existing secret name of un. Alors, non. Default to a random 10 caractères alphanumeric string if not set. Oh, ça me plaît bien ça. Faut juste qu'on arrive à trouver où est-ce qu'il est rangé après. Manifestement, comme on peut filer un secret existant, donc dans. Il va créer un secret dans cube avec le truc. Ok. On va l'appeler. Oupla. Autos corner SMTP on n'en veut pas. Donc réplicacoon pour l'instant je vais volontairement le garder à 1 et je ferai après on verra après le truc plus tard. Normalement j'ai pas grand chose d'autre à toucher, enfin si à tous les coups dans tous les charts qui se respectent ils vont me bassiner avec un PDB non alors PDB je vais le virer Ensuite, on a quoi? Discourse. Skip install, do not run the discourse installation wizard. Use only in case you are importing an existing database. La base est toute neuve. Ensuite, pour l'instant, on n'a pas des plugins, on s'en bat les couilles. J'ai pas les extras en var. Pour l'instant, j'ai rien à mettre. Ensuite, on a les extra ports 0. Ensuite, on a quoi? Configure extra option for liveness machin. Donc là, on a toutes les variables. Les liveness probes. Ensuite, on a les valeurs. On voit quand même qu'il met jusqu'à 500 secondes d'initial délai. Hein. La readiness, c'est 180 secondes. Ça peut être particulièrement énervé. Hein. Ensuite, resource preset. Donc ça, c'est les tailles de. Manifestement, dans les charts Bitnami, il crée des presets. Pour les requests et limites. Voilà. Bon, c'est rigolo. Et là, manifestement, voilà, on a le lien vers le preset. Alors. Pitié. Merci.
Ah oui, du coup, il me l'a ouvert deux fois parce qu'il a pas voulu mettre le focus sur le navigateur. Couillon. Donc, vous voyez, on a du nano. Nano, c'est 100 millicores, 128 mégas. Et 50 mégas pour le stockage éphémère. Les limites, c'est 150 de CPU, 192 de RAM, 2 gigas d'éphémère. Et après, vous montez comme ça, micro, small, medium, large, XL, 2XL. C'est... Je trouve ça très rigolo comme... Comme preset, comme définition de preset. Alors on voit qu'il prend le 2x large avec 12 gigas de RAM en limite et 3 en request. Ça me paraît quand même un peu chaud. Je sais pas si on va pas, on va peut-être descendre un peu parce que honnêtement, bon, déjà j'ai pas 12 gigas hein, et en plus de toute façon, je peux pas allouer non plus un milliard de trucs. C'est-à-dire qu'avec le 2XL, on risque de même pas pouvoir déployer le conteneur et même pas pouvoir en déployer deux parce que de toute façon, je vais pas avoir la place. Donc ça me paraît un peu énervé en fait quand même. Donc j'avoue que ça me paraît quand même un peu... Alors on a quoi du coup ouais, je vais tenter le large. Quoi cette musique là ? Ça me plaît bien. Hop. Ensuite, on a quoi? Persistance. Alors, storage class. Donc là, on a besoin. Enfin, on en a besoin. Normalement, on peut se permettre. Ah oui, c'est parce que j'ai deux fois default. Oh putain. Alors, c'est très con ça. Donc, on va se mettre le NFS CSI. Et surtout, on passe bien le stockage en read-write many. Alors, sidekick, c'est un autre domaine. Lui, je pense que je vais tout laisser par défaut, à part peut-être le... Pareil, le resource preset. Bon, lui, c'est du small, donc ça va. Le small, c'est quoi? 500, 750. Oui, donc ça devrait aller, pour le coup. Alors, le service, c'est un cluster IP, c'est là où on arrive. On a l'ingress qui n'est pas activé par défaut. Voilà. Donc c'est ça. Ça, pour l'instant, je vais voir. Je vais laisser ça tel que je peux. Et on verra si on fait un truc un peu plus poussé. On verra si je m'amuse à faire de l'exposition ou pas. Ça, c'est quoi, ça? Volume permission. Donc ça, c'est pour bricoler un truc, j'ai l'impression. Nano, le service accounts, donc ça on a intérêt. Ah, on a un network policy qui est appliqué. Intéressant. Intéressant. On regardera à peu près comment ça se traduit. Vous voyez, même le PostgreSQL par défaut, il prend du nano. Hein. Lui, pour le coup, il prend vraiment un minimum de chez minimum. Hein. Ok. Ok. Et du coup, ensuite on a Redis. Ah voilà, lui c'est. Bon, on s'en fout, on verra plus tard. Je vais le mettre en. Pour ce soir, je vais le mettre en. Hop, allez, on va faire ça. On va garder le values. On va revenir là-dessus. Alors, on a. Ah oui, non, j'ai créé le dé... C'est con, j'ai créé le dépôt, mais pas le namespace. Ok, enfin, j'ai téléchargé le truc. Du coup, on va faire... On va reprendre le helm install. Donc, on va faire helm install discourse
On file l'OCI machin, tiret N, discourse tiret chaos, tiret tiret, create namespace. Alors je vais faire un upgrade tiret tiret install et on va lui dire tiret F values.yaml pour prendre notre fichier. Et on est parti. Alors du coup, il est en train de bourrer. On a un nouveau namespace, normalement, discourse chaos qui est là. Dedans, on a trois pods, un Postgre, un Redis, un discourse. Dans discourse, on a discourse et sidekick. Alors, comme c'est dans le même conteneur, c'est pas très grave. Le PostgreSQL, ok, il est là. Là, il est en train de pouler les images. Là, ça poule, là, ça poule, là, ça poule. Ok, on va laisser poule. Ça doit clignoter de ouf, là-bas. Oui, ça clignote très fort. Ok, donc il nous a fait, il nous a mis le discourse sur Master 02 et les PostgreSQL et Redis sur Node 01. Donc on voit qu'il a réparti un petit peu en fonction de ce qu'il a eu comme, comme ressources, hein, tout simplement. À savoir que... Ah, mais c'est ouf comment les describe peuvent être longs du cul. Hein, c'est... Donc là, Redis c'est parti. Tac, tac, tac. On voit qu'il a chargé la conf. Alors, ok. Ensuite, le Postgre. Il est en train de générer son toute sa configuration. Donc là, normalement, j'ai 3 PVC, voilà, Redis, PostgreSQL et Discourse. Donc on voit qu'il a fait les provisionneurs. Parfait, parfait, parfait. Ensuite, dans les config maps, on a... Oula. J'ai demandé un truc qu'il fallait pas... Non, je déconne. On a toutes les variables. Ce sont donc des variables pour discourse. Donc on voit qu'on a le discourse site name qui s'est bien mis en Totos Corner. On a le discourse email en ducon@lajoie.com. Oui, bon, ça va, je sais. On a... Oh, alors on a... Putain, il y a 3 fichiers pour juste pour Redis. Alors on a quoi là? On a le master.conf, le redis.conf, le replica.conf. D'accord, donc là on est quand même sur une quantité de... Ensuite on a le... D'accord, readiness, liveness, machin pour le... ok, pour Redis lui-même qui se base... Putain, je viens de le voir, je voulais le voir montrer, qui se base sur des scripts qui lancent des commandes Redis CLI. Ok. Et ça, c'est le StartMaster. Ok. Dans les secrets, alors c'est pareil, on doit en avoir quelques-uns. On doit avoir un discourse-discourse avec le discourse password. En PostgreSQL, on a... Si j'arrive à le machin... On a le Postgres password et un password tout court. Et dans Redis, on a un Redis password. Ok. Et celui-là, je ne me risquerai pas à vous le montrer. C'est une tannée. Pourquoi j'ai fait entrer? De toute façon, il ne montrera pas le contenu, mais c'est un enfer. Voilà, alors du coup, on a quoi d'autre? On va avoir des services avec le PostgreSQL, le Redis en headless et avec une IP. Pareil pour PostgreSQL, on a les deux, headless machin et discourse. Ok. Normalement, ingress, il n'y a rien. Parfait. Ingress route, j'en parle même pas. Les services account, on en a un pour chaque pod. Parfait, enfin pour chaque service. Ça me va bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, alors, normalement, les PDB... Ah, il en a mis pour Postgres et pour Redis quand même. Ok. Ok, ok. Non, HPA, il n'y en a pas. Oui, il n'y a pas de, il n'y a pas d'autoscaleur, ça me va très bien. Donc, du coup, on a un déploiement pour ce qui concerne Discourse. Qui, lui, est toujours en creating. Oh, bon. Attendez. Bon, tu me rends la main. Il est toujours en pooling à image. Putain, ça fait 5 minutes. T'es gentil, Coco, mais... Ok. Et on a des stateful sets pour Postgres et Redis. Ça, c'est fréquent. Sur tout ce qui est service, type base de données, etc. Comme on veut que les noms des membres d'un cluster soit prévisible, le stateful set, plutôt que de mettre un... Vous voyez, quand on va dans le deploy, Discourse, il va vous créer un truc à base de réplica set et nom de pod, et ces trucs-là sont tous générés de manière aléatoire. Alors que dans un stateful set, c'est le nom du machin avec un tiret 0, et si on scale, il va créer un tiret 1, et si on scale, il va recréer un tiret 2, etc., etc. Et alors les stateful sets, c'est des objets qui sont quand même beaucoup plus rigides à manipuler que d'autres objets qu'on peut trouver dans Kubernetes. Même les daemon sets sont pas aussi pénibles. Parce que ça va aussi dans un stateful set, vous définissez aussi toute une structure sur le stockage, etc. Et derrière, d'ailleurs, ça, les PVC, vous voyez qu'ils ont le même nom, en fait. Les PVC, ils ont un nom qui correspond au pod. Donc c'est un peu... voilà. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que pour l'instant, mais il a toujours pas démarré notre truc. Hein. C'est un peu chiant. Là, si on fait un redis-cli, il va nous dire quoi? Je sais plus, on a un truc là-dessus. Ah, j'ai pas de help. Il me dit fais tabulation, je fais tabulation, il fait rien. Non, je sais plus. Hein. On va juste vérifier. On a quoi un petit. Ah alors comment il fait déjà là? Non, c'est pas ça, mince. On avait vu qu'il fait un voilà, on cherche un Redis password. Après, il fait un Redis cli tiret p Redis. Ok. Ouais, d'accord. Ok, donc faut faire un. Hop. Oh putain. Oh, ça y est, il démarre. Enfin, il démarre. Ok. Et reparti. Allez, on. Pour faute d'avoir. Ok. Ah, il me l'a pas pris.
qu'on fait comme ça. Hein. Ah Ah, mais oui. Autre fail, wrong invalid password. Oui, bah oui. Décider que je taperai pas correctement les choses. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. Voilà, voilà. Donc, on a des clés dans notre Redis. Donc, c'est en train de démarrer. Il est en train de faire la base de données, manifestement. Donc là, on commence à comprendre mieux pourquoi il faut au moins 3 minutes pour démarrer. Si je fais ça... I have no name. Ah ok. SQL tiré. $ de Postgres. Oh la vache. Postgres. Password. Non, c'est pas ça. Alors, il va demander de, automatiquement le... Ah, d'accord. Ok. Ok. Et donc là, on a bitnami application. Ok. Bitnami application. Et donc là, on a le chat public, admin, machin, etc. Ok, bah donc c'est en train de... Il est en train de dérouler, hein. Il est en train de dérouler, hein. On n'a pas de restart, c'est juste super long. Voilà. Ah, ok, persisting, sidekick, installation. Ok, donc là, on a sidekick qui est en train de, rouler son... truc. Est-ce que... Non, ouais, si. Alors, ce que je voulais revoir, c'est que si elle se retrouve... là, on a quoi? Discourse, le CPU request, c'est 1, et le limit, c'est 1,5. D'accord, et le sidekick, il fait quoi, lui? Request 500, limite 750, et là, il est... Ah, il est... ah, il charge bien la mule, hein. Il charge bien la mule. C'est pour ça que c'est long, hein. En plus, là, il est en train de créer l'admin user, d'accord. Bah, du coup, peut-être que pendant ce temps-là, on peut se permettre de dire... voilà, d'extraire le discourse password. Kubectl get secret... comment il s'appelle ? Non, on a dit comment il s'appelle. Discourse-discourse. Discourse... O JSON pass égal point data point course tiré password. Oulala, on se calme. Okay. Tiré N discourse tiré chaos parce qu'il faut pas déconner. Pipe base 64 tiré D. Ok, donc le mot de passe admin, c'est celui-là. Bonsoir Isoxy. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. On est en train d'essayer... Enfin, c'est en cours, hein. On a bon espoir qu'il termine le démarrage. Hein. On a récupéré le sidekick, il a l'air fini.
Ok, donc là, il est en train de faire la précompilation. On est en train de déployer, donc, comme c'est indiqué dans le titre, hein, je me lance dans un sujet sur le chaos engineering que j'ai jamais pratiqué pour l'instant. Et donc, la première étape, c'est d'avoir une application sur la qu'on puisse torturer. Après un premier échec, entre guillemets, où j'ai passé 2 heures à déployer un ghost CMS qui ne supporte pas la haute dispo, bah là je suis reparti sur une autre application qui elle a priori le supporte. Donc on va pas se priver de s'en servir. Et Bitnami a le bon goût d'être passé dessus, donc on a un chart Helm pour déployer dans du Kubernetes tout près. Donc on commence à avoir pas mal de choses. Ah ouais, là il est à blinde sur le CPU par contre. Ah, bon. Bah tant pis, hein. Tant pis, on va le laisser finir. Ce qui m'emmerde, c'est que on a la. Ouais, voilà, ça commence à chatouiller sur la readiness. Et ce qui me fait chier, c'est qu'il risque de redémarrer le conteneur avant d'avoir fini, quoi. Peu compliqué, hein. Un petit peu compliqué. En tout cas, voilà, tout ça, c'est en train de démarrer comme il faut. Je vais attendre qu'il ait fini de démarrer quand même. J'aimerais bien. Je débute tout juste dans la création et la gestion d'app auto-hébergée. Oula. Ah, alors bon, le stream de ce soir était un peu avancé, du coup, mais c'est pas très grave. Ça empêche pas de découvrir des choses. Mais bienvenue dans cet univers infini et l'auto-hébergement d'applications. Après la création, bon là je suis moins enclin, je suis mauvais donc je prends des trucs existants. Mais juste parfois voilà. Alors c'est quoi Ampash Rustdesk. Oh, vu que je suis toujours en train d'essayer de faire. Enfin, je suis en train d'attendre qu'ils finissent de démarrer. Hop, on va regarder. Alors, Ampash, je crois que c'est un serveur musical, hein, si je dis pas de bêtises. C'est bon, voilà. Rustdesk. Si c'est ce à quoi je pense, c'est génial. Oui! Oui, c'est pour. Ça permet de remplacer. Ah, comment ça s'appelle? Évidemment, le nom est en train de me sortir de la tête. TeamViewer, voilà, c'était le premier que j'avais en tête. Merci. Qui est installé sur le PC d'un ami de ma mère. Ok. Le tout sur une box low cost avec des ports très limités. Qu'est-ce que t'appelles une box low cost? Ah, chez toi directement? Et tu serais en partage de. Tu serais en partage de connexion? Oh merde! Ah bah oui, bah ça, évidemment. Oh, j'ai peur. J'ai très peur. Hop. Ah, mon Dieu. Alors, ça dépend chez quel opérateur tu es, mais typiquement, si t'es chez Free, t'es censé pouvoir demander une IP full stack. Oui, je vois très bien ce qui se passe, c'est que tu es sur une IP partagée, et du coup, t'as le droit qu'à une petite plage de port qui correspond pas du tout à ce qu'on a besoin. Ouais, et ben normalement, chez Free, via le portail client, tu peux demander une IP V4 complète pour toi. C'est-à-dire que par défaut, il te la donne pas, mais tu peux faire la demande. Et alors par contre, tu vas rechanger d'IP. Bah oui, mais c'est déjà le cas, en fait. T'es sur une IP fixe, mais sur une IP partagée.
Les IP chez Free, ça fait très longtemps qu'ils s'amusent pas, enfin qu'ils font pas de l'IP dynamique comme Orange le fait par exemple. Mais et puis bon, bah, je peux comprendre très facilement pourquoi on ne fait pas que de l'IPv6. Hein. Voilà. Mais chez Free, tu peux demander. Mais oui, t'es déjà sur une IP fixe, hein, de toute façon. Bon, ce qui m'emmerde, c'est que putain, ils relancent le truc de. Je vais être obligé de bricoler les liveness pour qu'il arrête de me tèche le truc. On va laisser faire, mais... Oh putain, non, il commence déjà. Ah ouais, non, bon. On va faire un truc. Ne faites pas ça chez vous, c'est dégueulasse, mais... Bah oui, c'est ça, parce que sinon, après, c'est... pour monter un truc type... comment ça s'appelle Alors, Inlets, c'est quand même très orienté... Kubernetes, mais un truc à la con où en fait vous avez une IP sur un service et vous montez un VPN vers votre infra, et après ça fait la redirection des ports du truc public vers le VPN de votre plateforme privée. C'est chiant, c'est dégueulasse, c'est tout ce qu'on n'a pas envie de faire en fait, hein, tout simplement. Alors le premier container il est là, c'est celui-là, voilà, et on va tej liveness, readiness. Il n'y a pas de startup. Il n'y a pas de startup probe. Ok. Bah j'ai envie de dire let's go. Hein. Hop, allez. Voilà, comme ça tu me redémarres ça. Enfin normalement. Oui, bah après l'avantage c'est que du coup comme tu as une IP complète, tu peux utiliser tes ports standards. Donc typiquement, alors certes je suis pas en IP fixe, mais je suis chez Orange et j'ai une IP complète pour moi. Pour accéder aux services qui sont chez moi, genre mon service Git, je mets pas de port dans l'URL, je mets directement HTTPS et ça marche. Parce que c'est le port 43 qui arrive directement chez moi. Et donc c'est faisable pour quasiment tout. Le seul truc qui est pas faisable, c'est le mail. Et ça, je recommande pas de toute façon. J'ai eu l'occasion de faire deux articles de blog il y a quelques années sur le sujet, des articles qui ont eu beaucoup de succès d'ailleurs à l'époque où ils sont sortis. On est en 2024 et c'est toujours aussi vrai. Donc du coup il me fait quoi lui? Il précompile toujours les assets, il est toujours en train de dire que l'URL est pas bonne. Sauf que là, quand on va arriver à 180, on va se faire dégager comme c'est pas permis. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai modifié le déploiement et il m'a rien. Ah, mais il me les a pas supprimés en fait, ce con. Je lui ai demandé de me les tèche, mais il me les a pas supprimés. Attends, on s'arrête bien là. Non, il veut pas. Alors, en ce moment, je suis bloqué sur le fait de mettre des musiques dans un volume. Oh, il y a plein de façons de faire, ça, pour le coup. Bon, alors, ça va me péter à la gueule de toute façon. Alors, du coup, est-ce que...
Est-ce que je pourrais pas modifier... Ah! Et ben voilà, il nous dit... Additionally, consider increasing value liveness probe initial delay seconde. Ah bah ben voilà! Alors c'est où ça? Initial... Delay seconde... Pourquoi je le vois pas? Alors... On va repartir au début. Discourse. Ah, c'est celle-là en fait. On va mettre. Pas de bourrin, on va mettre 600. Hein. Ah oui, la starter probe elle est éteinte. D'accord, ok. On va faire ça. Ouais, c'est bon. Il est en train de nous créer le nouveau. Alors, pendant que c'est en train de créer... Oh, me dit... Oh putain, il a redémarré sur node 1, donc il faut qu'il repoule l'image. Oh. Bon, ok. Alors, there are resources section in the chart node 7. Resource preset is not recommended for production. Ouais, on s'en bat les couilles. Discours resources et resources. Ouais, c'est pas grave. Ensuite, on a quoi? Toto, discours password. Oui, ça, on l'a. Tac, tac, tac. L'URL pour l'instant, ça nous dit que si on fait un port forward. Ok. Alors, bloqué sur le fait de mettre des musiques dans un volume Docker. T'as plusieurs possibilités. Bon, si t'es sur une machine où t'as du Docker, soit tu crées un volume Docker et il faut que tu poutes tes données dedans. Mais après, ton volume Docker, tu peux le créer à peu près où tu veux, il me semble, hein, de mémoire. Maintenant, en tout cas. Soit tu crées juste un dossier sur ton serveur et quand tu démarres ton conteneur, tu lui dis de prendre ce dossier-là comme dossier de musique. Bah, c'est ce que tu as potentiellement de plus simple à faire. Alors, excuse-moi, je surveille un petit peu parce que. Oh putain, toujours pas fini. Oui, c'est pas... moi aussi, hein, j'utilise du Proxmox. J'en ai un peu ancien là, qui traîne là. Oui, il fait pas chier. Celui-là, par contre, je crois que je fais. Ah si, oh la vache! Putain, okay, je me suis souvenu du mot de passe. J'ai plus qu'une seule VM dessus qui est mon bastion. Parce qu'il est un peu ancien, il est un peu. Voilà. Mais le serveur Etzner, celui sur lequel il y a entre autres le blog, un serveur Minecraft pour mon beau-frère, etc. Mon serveur de mail, tout ça c'est sur du Proxmox aussi chez Etzner. Et j'ai un deuxième micro-serveur un peu plus récent qui sert de labo, qui est éteint pour l'instant. Normalement, ce vieux serveur-là est censé être remplacé normalement par le Pimousse 2. Là. Et j'ai la flemme de terminer ça. Je fous tellement le bordel sous ma télé où j'ai tout branché que j'ai un peu peur. Mais bon. Du coup.
Hop, on va fermer ça. On va se garder ça pour l'instant. Il nous dit quoi, lui? Ah oui, lui, il nous dit qu'il n'arrête pas de... Bon, déjà, ça avait mis... Attends, combien de temps ça avait mis à pouler l'image, là? 8 minutes pour pouler une image! Non, mais il est sérieux? On n'a pas idée de faire ça. Ok, bon, ouais, bah, redémarre, hein, pendant ce temps-là, toi, hein, vas-y, hein. Puis à ça après, hein. Vache. Bon, alors, bon, bah, du coup, en attendant, hein, on peut éventuellement te faire une petite démo. Donc, si t'es sur une machine virtuelle, on va dire, ça, hop, dire... Ah oui, alors si tu débutes, je sais pas si utiliser directement ChatGPT est une bonne idée. Parce que t'as aucune garantie qu'il va te sortir un truc fiable. Et si tu découvres, tu vas pas forcément comprendre ce qui déconne et ce sera un peu compliqué de le corriger. Je conseille vraiment pas ce genre d'outil quand on débute vraiment. Voilà, donc... Mais oui, alors attends, est-ce qu'il est déjà... Il est démarré déjà, lui. Oui, il est démarré. Okay. Oh là, il y a un peu trop de... Ah, mais oui, il y avait tout le bordel autour de... D'accord, ok. Prometheus... Ah oui, j'avais laissé tous les conteneurs Luffy. D'accord, ok. Oui, bon. On va nettoyer tout ça. Hein. Donc, oui, alors. Hop, on va faire ça. Et on va faire un Kadir. Je vais retirer le volume. Hop. Le plus simple, quand tu démarres, quand tu veux monter un volume dans le truc, c'est de faire ça. C'est tirer V. Alors, je crois que c'est. Un truc comme ça. Je lui dis, tu me prends mon dossier local, tu le montes dans slash data. On va le faire comme ça. Et donc là, si il m'a pas sorti d'erreur, donc a priori. Il m'a monté slash data slash super volume. Parfait. Et donc là, si je fais un écho, mais c'est génial. Tiens, c'est ok. C'est surprenant. Supérieur toto.txt. On aime bien les totos ce soir. On a un toto, et si je sors du container et que le container est mort d'ailleurs, parce que j'ai fait un RM, et que je vais dans super volume, j'ai mon fichier toto.txt, et donc ça, et donc là voilà, là c'est la première façon de faire un volume. La deuxième méthode, c'est d'utiliser les volumes Docker. Alors moi je crois que j'ai... Ah si, il y en a quand même un peu. Ok, avec du driver local. Alors par contre, par exemple, le volume de Uptime Kuma, si on regarde un peu à quoi il ressemble, on va faire ça pour éviter, il nous dit que le volume a été créé dans varlib docker volume. Parce que c'est là que sont montés par défaut les volumes. Voilà.
et avec un underscore data. Donc après, pour remplir un volume Docker pour mettre ta musique dedans, et la monter où il faut bien, et monter le volume après où il faut bien pour Apache. Alors comment ça fonctionne déjà? Parce que je sais pas si c'est le meilleur des plans du monde d'aller remplir directement l'underscore data, parce que tu peux avoir des problèmes de... Parce que là, typiquement, si on fait ça, qu'on va voir un peu la gueule du truc... Alors déjà, je suis même pas sûr d'avoir le droit d'y rentrer. Oui, voilà. Là, faut que je fasse ça. Hop. Et donc là, on a tout. Et ah, par contre, oui, il apparaît... D'accord, donc mon Uptime Kuma, il se lançait en route. Donc du coup, il apparaît en route ici. C'est dégueulasse. Ok. Donc voilà, éventuellement... mais je sais plus si c'est recommandé ou pas. Non, non, je sais plus. -i Docker. Je crois que les seuls volumes qui sont montés, c'est les volumes qui sont... ouais, c'est ça. C'est les volumes des containers qui sont en cours d'exécution. J'ai quoi qui est en train de tourner, là? Ah bah, c'est Uptime Kuma, justement. D'accord. Donc voilà. Donc après, tu as deux possibilités. Soit tu montes le volume, tu dois... enfin, tu démarres ton conteneur en montant le volume, et après tu fais des Docker CP. Donc là, par exemple, si on reprend notre super volume, hop. On va faire ça. Donc on est dans super volume, on va remonter d'un cran parce que c'est quand même dégueu sinon. Je vais faire un run, mais cette fois. Je vais pas mettre de TI, je vais mettre un tiré D et on va utiliser un Nginx stable à la place. Hein. Voilà, donc là normalement j'ai mon. Nginx, pardon, il est là, stable, démarré depuis 3 secondes. Container exec-ti, il a un nom à la con. Hop, je crois que bash ça marche parce que voilà, le conteneur Nginx il est basé sur un. Alors excuse-moi, pendant ce temps là je fais quoi? Pendant ce temps là il m'a toujours pas pull l'image, hein, cet enfoiré, mais il y a un bug ou c'est quoi le délire là? C'est quoi sur master? Qu'est-ce qu'il nous fait? Non, il n'y a pas d'event. Il n'y a pas d'event. Ah! Ça y est. Il me fait peur parce qu'il vient de redémarrer alors que l'autre il est en train de. Bon, on va bien voir. Qu'est-ce que je disais donc? Oui, revenons là. Alors, du coup, donc lui je l'ai monté dans data super volume, il est là. Si je sors de mon conteneur et que je veux copier des données dans mon volume, dans mon super volume, ce que je peux faire, c'est dire. Alors, dans slash tmp, non, c'est. /tmp, pitié. Par exemple, je vais prendre le pong.b64 là, et donc je vais lui dire docker cp tilde /tmp/pong.b64. Et donc là, faut mettre le nom de ton conteneur et le chemin dans lequel tu veux aller. Donc là, c'est ton machin, parce que c'est un toi, et tu mets /data/super volume. Et donc là, il me dit qu'il l'a il a bien copié. Donc si je refais mon exec dans super volume, j'ai bien mon pong.b64.
D'ailleurs, on voit que l'utilisateur 1000, il ne le connaît pas. Et si je fais un ls-l, super volume, parce que c'est mon dossier qui est là, j'ai bien mon Pong 64 qui a été copié. Donc on a deux possibilités, voilà, c'est soit tu crées un dossier dans lequel tu fous ta musique et après tu dis à Docker que c'est censé être ce volume-là à utiliser, et après c'est à toi de le monter au bon endroit pour Ampage. Alors je connais pas Ampage, donc je peux pas dire là tout de suite dans quel dossier c'est censé se trouver. Ok. Oh non, pitié, ready this probe. Non, non, non. T'es pas censé faire ça, je suis censé l'avoir viré. Quoique non, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il a mis tellement longtemps à démarrer que... secondes, c'est encore pas assez, quoi. C'est chier. Il va planter sur le même truc que l'autre. Ça me saoule. Alors, tu sélectionnes le dossier dans Ampage, donc on a le choix techniquement. Oui, mais il faut bien qu'il soit monté quelque part au départ. Donc en soi, ça c'est pas... Voilà, après tu le mets à peu près où tu veux. Hein. C'est... Enfin... C'est côté serveur, donc en dehors de Docker, tu ranges le dossier où tu veux, et après tu le mets dans un endroit, tu le montes à un endroit dans le container, et après dans Ampage, tu dis... C'est tel dossier dans le container. Voilà. La difficulté, c'est de se rappeler que tu es dans un container et donc que c'est le chemin dans le container qu'il faut donner et pas le chemin sur ton serveur. C'est pas... Ça peut être un peu confuse, mais on finit par s'y faire assez facilement. Donc voilà, on n'est pas... Je vais foutre un... Allez, je vais faire un peu le ménage là parce que c'est un vrai foutoir. Déjà, on va faire ça. Voilà, donc déjà on en a plus que deux. Hop. Quoi? Ok. Il prend pas l'ID, c'est pas grave. Hop. Voilà, voilà. Du coup, ça va être un foutoir dans les images. Conflict. Allez, hop. Allez. Voilà. Ça aussi. Hop. Pardon. Schlack. Quelques-uns, hein. Quelques-unes quand même. Hein. Il n'a pas encore fait de restart, mais ça me fout un peu les boules. Hein. Je ne vais pas se mentir. Le readiness qui commence à chatouiller très fort. Est-ce que l'autre, il en est là, là?
Il me fait la même et tant qu'il a pas fini, tant qu'il a pas démarré le nouveau, il va pas me supprimer l'ancien. Ça me casse un peu les couilles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah. Pourquoi il me l'a fait deux fois? Ça c'est Luffy. Ensuite Prometheus, on en a plus besoin. Kaburot, ok. Ça on l'avait déployé uniquement pour Kaneko, on en a plus besoin. Livebox Exporter, je sais plus pourquoi je l'avais fait. Build Kit, c'est en train de me servir. Trago, hop. Postgre, hop. Les images qui servent plus à rien. Fresh RSS, pouf. Fresh update. C'est des trucs qu'on avait testé en local. Schlack. Alors du coup, il n'y a plus d'image. Bon, c'est pas grave. Hop. Ça va un peu mieux là. Tiens, j'ai oublié de ça. J'ai pas pris celle-là. Voilà. Alors, du coup. Putain, mais ça prend 4 plombs, ouais. Et puis en même temps, il a le CPU et la RAM à balle. Oh là là. Ouf. Pas possible, cette histoire. Moi qui voulais aller un peu plus loin. J'ose même pas imaginer si je dois lancer la... Ça marchera jamais en... sur le cluster. Ça marchera pas, il faut que je fasse un truc en local. Parce que je voulais montrer un peu un exemple de ce qu'on pourra avoir avec OpenTelemetry, et ils ont un chart démo pour ça. Je l'ai lancé sur le PC du boulot. Le PC, il allait décoller. Le ventilo, il était tellement fort, je suis passé de 5 à 12 Go de RAM de consommé d'un coup. Et là, du coup, en fait, je suis en train de me rendre compte que les Raspberry Pi tiendront jamais le choc. Donc, en fait, si je veux lancer la démo, il faudra que je le lance sur ce PC-là, du coup. Donc, il faut qu'on se prépare un petit cluster local. Comment on peut se préparer? Est-ce que j'ai toujours K3D? Oui. Mais il ne va pas être à jour non plus, lui. Hop. Oh, ça va. 4.3D 5.7.4 NFDF global 4.3D 5.7.4 oh, oula. Ouf. Hop, pitié. J'ai des gros doigts, c'est pas le bon truc. Ouais, c'est pas grave. J'aurais pu supprimer l'autre avant, mais c'est pas grave. C'est ça où il faut que j'augmente les ressources du. C'est-à-dire que je ferai le bourrin à tabasser. Je vais faire ça. Ah, on va virer ça parce que déjà, ça fait ça. Voilà, les ressources preset, c'est large. On va mettre un X large, hein. C'était quoi le X large déjà dans les ressources? On a dit que c'est de large. C'est le CPU limite qui passe à 3 au lieu de 1,5. Et la RAM qui double.
Ouais, allez, on va le tenter comme ça. On va le tenter comme ça. On croise les doigts juste pour que la RAM n'explose pas. Sinon, on va mettre des ressources custom là, hein, tant pis. Hop. D'ailleurs, en passant, on va se dépêcher tout de suite de prendre la commande et de la foutre. Hop. Hop. Discours. Vitesse. Deployment based on Bitnami Art. Et c'est vraiment de la prise de notes là à ce niveau-là. Hop. Voilà. Clac. Comme ça on n'en parle plus. Alors. Du coup j'ai fait quoi? Ah oui. Ouais, Ghost, on se le mettra peut-être pour... alors, il nous dit quoi? Un discours, il a repris ça. Ouais, cette fois, il y a les images sur les deux nœuds. Alors, j'espère bien qu'il me... Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? Were you? Previous definition of duration choices was here. Ok, bon, c'est pas grave. On a encore un peu de... du coup, on a le pré-compiling asset. Et là, on va voir jusqu'où va monter le CPU. Normalement, il a que ça à foutre, hein, on va pas se mentir. Quoi, putain, le node il est déjà... Non, voilà, ça y est, c'est en train de grimper, on est à 1000. Oula, le contrôleur, 10 000 restart, comment ça? Oula! C'est quoi ça? Pourquoi il nous a... Error 255. Ah, c'est original. Ah putain, mais en plus, il y a... Il y a genre une demi-heure, quoi. C'est... Ok. Bon, 1226, 1244. Ça grimpe doucement. On essaye de croiser les doigts pour qu'il aille encore plus haut, quoi. Du coup. Je me souviens plus comment on fait. Oh la vache. Ah oui, il y a beaucoup de trucs là. Alors, K3D cluster create name et après flag. Donc les flags, on a le nombre d'agents. Ok. La mémoire de chaque agent. L'API pod. La config string. Ah oui, donc il faut quand même qu'on fasse gaffe à la mémoire des agents. Sinon, on risque d'avoir un truc par défaut qui est trop bas. Ok. Niket 3S Arg, on s'en bat les couilles. Ouais, donc le fichier de config si on a besoin de paramétrer des trucs. Après, on a quoi? Registrer config. Ouais. Registrer create. Ah, donc on peut démarrer un registry directement dans le K3D. Comme ça, on peut foutre les images dedans et là, après, derrière, le cluster, il s'est poulé directement les images dedans. Ok. Ouais, why not, hein. Ça, j'ai jamais testé, ça, pour le coup. Tac, tac, et du coup, ensuite, on a quoi? Moon volume into the nodes. Ah. Ok, oui. Pourquoi pas. Et du coup, après, on a quoi? Les timestamps, les traces, les verbos. Classique. Ok, oui, donc ça va aller relativement... Ah, mais alors, du coup, je vais quand même faire un truc.
Non, c'est pas... Je vais virer les images. Quoi? Oui, pardon. Hop, on va virer les images de K3D. Et Rancher aussi. Comme ça, il va nous prendre un truc. Merde, j'ai mis deux fois le même identifiant d'image. Innover, Jack. Alors, du coup, il nous dit quoi? Ah, il nous dit qu'il prend toute la tout le CPU. Hein. C'est la blinde de blinde. C'est-à-dire que là, j'ai une limite à 3 CPU, sachant que j'ai 4 cœurs sur le K3S Note 01. C'est-à-dire que là, si je me connecte au Node-01. Si je me connecte sur le Node, si tant est qu'il répond. Ouais, mais c'est lent du cul. Oui, voilà. Voilà, voilà. On est à 12 de load. Bonjour. Ah, quel enfer. Ah. Le pire, c'est que c'est très drôle, hein, au final. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'on est quand même... Bon, la readiness a pas eu l'air de le... De le chatouiller plus que ça. Mais ouais, quand voir ça, c'est quand même quelque chose, hein. J'aurais pu prendre un... C'est hallucinant, ça. Deux lives, on aurait un truc trop lourd encore. J'ai voulu changer d'image pour un truc qui fonctionne, et au final, je retrouve qu'un truc qui veut pas... Le problème, c'est que là, pour l'instant, comme les données sont pas compilées jusqu'au bout, ils recommencent... Oh. Oh. Non, pas de restart. Il est toujours en pré-compiling asset. Et là, on est sur un truc qui s'appelle Ember. On avance peut-être là cette fois. Non. Non, bon, je ne sais pas. Bon. Qu'est-ce que... Puis il est déjà 23h. Hein. J'aimerais bien que ça arrive au bout, quand même. Je sais pas ce que c'est, Ember, tu vois. Avec un peu de chance, on va trouver ça un truc. Alors. Elastic, malware, benchmark. Non, ça doit pas être ça, c'est pas possible. Ember.js. Ah. Ah oui. Ah. Oh punaise. Oui, bah donc il est toujours en train de précompiler les assets. Il est toujours en train de tabasser du CPU. Ah, il est en train de tabasser du CPU, mais le load est quand même particulièrement redescendu par rapport à tout à l'heure. Hein. On n'est plus qu'à 5 de load alors qu'on était à 12. C'est quand même violent cette histoire. Ok. Putain, ça prend 4 plombes. En vrai, c'est encore trop lourd. Hein. Je me suis encore pris la tête à sortir un truc comme ça. Et puis au final, c'est encore pas la bonne solution.
Mais c'est pas possible! Oh. Ah, puis ça bosse, hein. Ça bosse, hein. C'est pas non plus. Bon, en vrai, j'ai plus besoin de ça. Hop. Bon. Alors. Au niveau de la RAM, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, il ne sature pas. Au moins, de ce côté-là, je suis un peu peinard. Et au niveau CPU, on est vraiment. Ouais, bah oui. On est à blinde. On est à blinde là-dessus. Parce que là, en fait, il nous a fait quoi? Il nous a lancé l'entry point qui lance un run.sh qui dit faut lancer le setup. Et là, on a le rate asset précompte. Oh, oh. Oh, il m'a shooté du truc. Ah ouais, on a fini par le restart. Oh là là. Du coup, il a repris 0. Ouais, bon. Alors, j'en ai ras le bol. Quand même pas. J'ai encore fait un mauvais choix d'application. J'aurais dû rester sur grave, en fait, on y serait déjà. Ce serait beaucoup plus simple. Je voulais un truc un peu plus évolué, mais pas aussi lourd que ça, quoi. Parce que là, il en reste quand même pas mal des trucs, mais bon, c'est un peu. Bon, e-commerce, là, c'est un peu énervé. Ces trucs-là, c'est toujours compliqué. C'est vrai que j'ai parlé de tester une installation de Nextcloud directement dans le truc. Alors il nous dit, et c'est qui a fait la bêtise de supprimer le container Ampage sans faire aucun backup alors avant alors qu'on lui a dit 100 fois d'en faire. Ah et ben alors comment dire? Tant pis pour toi? On va le dire comme ça, non? c'est en faisant des bêtises qu'on apprend, et je te mentirais en te disant que ça m'est jamais arrivé. Y a quoi? Quatre ans déjà? J'ai supprimé tout un dossier de... Comment? Un docroot avec dedans il y avait au moins deux ou trois sites et j'ai découvert après avoir fait parce que je me suis planté de chemin en fait c'est que j'ai voulu faire un RM dans un dossier et j'étais dans le dossier d'au-dessus
Du coup, il m'a supprimé tout ce qu'il y avait et il y avait trois sites. Je pensais être dans un des sites et en fait, il m'a tout supprimé. Et à ce moment-là, je découvre que j'ai plus de backup depuis 2 ans. Parce que je ne surveillais pas mes process de backup et que du coup, il y en avait plus. Donc, je n'ai plus de backup. J'ai réussi à remonter un truc à la ZUB pour certains des sites, mais pas tous. Et du coup, voilà, j'ai perdu sèchement un site complet. J'ai plus que la base de données, mais le problème, c'est que tout le contenu, le theme custom qu'on avait fait, etc., on s'était fait chier comme pas permis. Bon, tout ça, on a fini par je l'ai paumé. Donc voilà, alors comme c'était un site qui était mort, bon, c'est pas très grave, mais. Et voilà. C'était une archive de site et j'ai plus. Donc ouais, c'est pas, tu vois, même pour des gars qui commencent à avoir de la bouteille, parce que mine de rien, je fais de l'administration système depuis 2007. Voilà. Même ça peut encore arriver. Je suis en train de chercher ce que je pourrais déployer. Ah, mais attends, Minayo, il n'y a pas moyen de le déployer en cluster. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que le truc s'en sortira jamais et qu'il va forcément me chier à la gueule. Ouais, parce que là, même au bout de 10 minutes, il a fini par sortir la liveness. La liveness a dit stop, et du coup, il a dit on arrête les frais. Donc, ça fait chier. Alors, ouais, mais quand il s'agit d'un forum où tous les utilisateurs ne font pas que partager des messages, mais aussi des fichiers. Et que du coup il n'y a plus aucun fichier, c'est un peu compliqué. Quand tu as créé un thème entièrement custom pour ce forum, et que tu n'as pas d'archives de ce thème-là, parce qu'il a été fait au fil de l'eau il y a plus de 10 ans, et qu'il n'y a pas de, y a pas de version, il n'y a pas de version, etc., tu peux pas remonter le site comme il était avant. Donc, puis de toute façon, c'était qu'une archive en lecture seule, en fait. Donc, ouais, voilà. Donc, y a des choses qui. Et en plus, je crois que je l'avais quand même tenté, ça déconnait, ça marchait pas bien, on avait des galères avec. Du coup, j'ai fini par lâcher l'affaire. Et j'ai dû refaire aussi, parce que j'avais un micro-truc de documentation. J'avais démarré un wiki et j'ai dû recommencer de zéro. Parce que j'avais tout dedans et puis on avait tout. On n'avait pas tout, mais du coup j'ai perdu tout le contenu du wiki, parce que c'était un contenu en fichier plat, c'était comment il s'appelle? DocuWiki. Et donc ce truc-là stocke les fichiers sur le serveur, il n'y a pas de base de données. Et bah donc du coup, voilà, hein, supprime le dossier, supprime toutes les données. Voilà. Il y a un opérateur pour faire des clusters, Minayo. Est-ce que je me ferais pas chier, enfin est-ce que je prendrais pas ça plutôt, ce serait plus simple. Parce que du coup, il nous fait quoi? Il nous dit on a Kubernetes, ensuite il y a l'opérateur qui nous crée un tenant 1, un tenant 2 avec le stockage et on fout les applications par-dessus. Et on a une console qui permet de gérer le truc. Mais il n'y a pas moyen d'avoir un stockage commun, parce que sinon ça sert à rien d'avoir un opérateur qui nous fait pas des clusters, qui nous fait pas un cluster là. Hop.
Alors, tac, 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 ouais, on s'en fout. Minayo tenants required storage cloud state volume by demand for to wait for. What? Mais pourquoi? Which can cause complication during PVC binding. Ouais. Bah, c'est pas grave, ça fait juste le. C'est quoi le. C'est bien, ça parle de cluster, et puis au final, il n'y a pas de, il n'y a pas de cluster, puisque... Ça me ferait chier, franchement, j'aimerais bien que ça arrive au bout, ce truc-là, mais... Ou encore que j'augmente le truc. Parce que là, on a les ressources là. Ah mais non, j'ai laissé tout ce qui est... Ah mais ça c'est les liveness de quoi? Ça c'est les liveness de Sidekick, mais lui il a pas de problème. Ah, oh, mais non, putain, là je m'emmerde pour rien. Hop, on va virer les liveness readiness, comme ça on n'en parle plus. Ça sera dégueulasse, mais au moins. Ce sera prêt quand ce sera prêt. Bon, alors attends, on va faire ça. Ouais, cancel, cancel. Non. Merde. Voilà. Ah oui, ce que j'allais dire. Là, normalement, il a déjà... Il a déjà tout connecté, et donc après, bah, je pense que je vais laisser tourner ce truc-là, et après, il va pouvoir tourner. Oui, bah oui, CPU level, tu m'étonnes. Le pauvre est en train de crever comme c'est pas permis. Lui, il veut pas, lui, il veut pas se buter. Si, ça y est. Allez, on. Voilà. Donc une fois que les bases sont posées, ouais bah c'est ça, maintenant le Postgre il tourne plus, ok, donc après là on a le master, le sidekick est pas encore prêt. Donc là, on va bien voir. De toute façon, ça, il va finir par le rendre ready. Ouais, voilà, c'est bon. Ça va pas tarder. Voilà, ok. Et donc lui, maintenant, bah, il va mettre le temps qu'il faut, mais... C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fini les migrations de base de données, il va bourrer le... Il va bourrer la pré-compilation, parce que là, en fait, il est tout... Comme il a... Il a détecté qu'il avait toujours pas fini son installation, donc en fait, il recommence en permanence. Ça me gave. Donc on va le laisser finir. Maintenant qu'il est en. Il est en trou, il risque plus de redémarrer. Sauf à me faire exploser la mémoire, mais c'est pas le cas pour l'instant. Donc on va le laisser. Je vais le laisser tourner. Bon bah tant pis, hein, pour ce soir-là, il est déjà. Il est déjà 22 h passées. Donc voilà. On va s'arrêter là pour ce soir. Donc ouais. Maintenant qu'on a ça, je terminerai la con. Je pense que je terminerai la configuration.
Une fois qu'il aura fini de mouliner, après, bon, j'ai pas beaucoup de temps ce week-end, donc je ne sais pas trop quand est-ce que quand je pourrais me pencher sur le sujet. J'ai du coup la prochaine étape, c'est quoi? Alors, on se note les étapes parce qu'après tout. Ah, j'ai même pas mis à jour en plus ce truc-là. On a dit Chaos Engineering. Donc le frontal web. Donc au final, chart bitnami discourse. Hein. On va modifier ça. Hop. Et Redis, on va virer le lien parce que de toute. Non mais. Pitié, merci. Et coche la case. Voilà. Donc, la prochaine étape va être de se pencher sur la partie monitoring temps réel. Et on fera deux choses. La première, ce sera de vous montrer la démo. Qu'en fait, OpenTelemetry a une démo. Là. Et on peut la déployer dans Kubernetes. Donc on a un chart qui est dispo. Et oui, et en fait, le problème, c'est que ce chart, il est monstrueux. Et en fait, bah, typiquement, si on regarde le. Si on regarde le fichier YAML. Alors, vous voyez pas bien, vous le. Si, peut-être, à droite du chat, vous voyez la barre de disque. La barre de. La barre de défilement. Et donc allez, on va faire jouer la molette Logitech. Voilà. C'est un monstre à déployer. Comme je dis, moi ça m'a bouffé un bon 8 Go de RAM pépouze. Mais ça permet de montrer en conditions plus ou moins réelles ce qui se passe et comment fonctionne OpenTelemetry et comment visualiser les données OpenTelemetry. Et donc ça permettra de voir un petit peu ce qu'on peut avoir. Comment? Et donc on essaiera ensuite de l'installer en conditions réelles pour le brancher sur notre application. On verra comment ça se passe, on verra comment rajouter des annotations, parce qu'on a besoin d'annotations, etc. Quoique, attends. Est-ce que j'ai encore choisi la mauvaise appli? Non, c'est bon. Oh putain. Oh la peur. Oh. J'ai eu peur. Alors après, est-ce que. Eh non, merde. L'OpenTelemetry Operator, il va pas supporter le. Oh, c'est pas vrai. Donc en fait, encore, je viens encore passer 2 heures pour rien, ça me saoule. Parce qu'en fait, dans Kubernetes, le problème, c'est que l'opérateur, l'auto-instrumentation, je crois, ne va pas supporter tous les langages. Donc là, dans la doc, on a Java, Node.js, Python, Go. C'est tout. C'est la merde.
c'est la merde. Oh, mais c'est pas vrai, j'en ai plein. Un cauchemar. C'est un cauchemar. Bon, on fera pas de troisième live. Je vais quand même, pour l'expérience, je vais quand même laisser le truc là me se terminer, histoire de voir combien de temps il aura pris et de le buter quand il aura fini. Et je vais retrouver un truc plus léger et je vais me le faire dans mon coin. Comme ça, on passera directement à la partie Open Telemetry la prochaine fois. On se fera donc deux parties, un coup la démo pour montrer à quoi ça ressemble avec la démo. Le problème, c'est que dans la démo, c'est pas de l'auto-instrumentation par l'opérateur. C'est injecté directement dans chaque image. Et on a le collecteur derrière qui fait le boulot et qui renvoie tout. Et ça, la démo, elle déploie un Jaeger qui permet de visualiser directement, donc ça sera très facile à voir. Mais derrière, c'est juste pénible en fait. Et il faut qu'on ait une application qui soit dans un de ces trois langages-là. J'ai pas spécialement envie de me paver du .NET parce que je connais pas. Mais il va falloir qu'on soit capable de se déployer un truc. Zen. Je vais me coucher, je vais me préparer pour la soirée de demain parce que je vais à un anniversaire. Faudrait vraiment que je lise les docs avant en fait. Ah, mais ils fournissent déjà Mais en vrai, peut-être que je vais installer Kind. Il fournit les fichiers cluster pour déployer un cluster Kind. C'est bien ça. J'aime bien. Mais ça, c'est pas pour la démo, ça. Ça, c'est pour l'opérateur. Ouais, donc si je veux voir la démo. Open Telemetry Demo. Ils fournissent un Docker Compose. Un Makefile. Pour Kubernetes, ils fournissent le YAML. D'accord. Oui, donc là, pour le coup, on n'a pas de kind. Mais on l'a dans l'opérateur. Donc, on va pouvoir, je pense, récupérer ça et puis la tester. Parce que bon, c'est pas la RAM qui manque sur mon poste à moi. Hein. Même si, on a combien? 13 gigas et on en a 17 de dispo. Ouais, donc il y a moyen. Voilà. Hop. Et comme ça, on a Kind prêt pour bosser. Alors, mon système d'exploitation, c'est Windows. C'est un Ubuntu qui tourne en mode WSL. Et donc, en fait, je fais tout dans le WSL. Voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus ultra performant. Je l'ai fait comme ça parce que, notamment l'année dernière, quand j'ai acheté le PC, je préférais, j'ai encore obligé d'avoir du Windows parce que plusieurs jeux auxquels je joue, notamment en multijoueur, ont de l'anti-cheat et j'ai pas le choix, je suis obligé de jouer sous Windows. J'ai la flemme de faire un dual boot, mais en vrai, faudrait que je tente l'expérience un jour de faire un stream en étant full Linux.
pas encore décidé sur la distrib que je voudrais utiliser. J'ai une préférence pour Manjaro Linux, évidemment. Là, j'ai quand même un truc que j'utilise depuis 10 ans maintenant. Donc, à un moment donné, ça se tenterait. J'ai peur quand même de la configuration et de la stabilité du... Comment? Notamment de tout ce qui est encodage avec OBS sur les cartes graphiques AMD. C'est déjà pas brillant sous Windows, mais alors là... Sous Linux, j'ai très peur. Je pourrais être agréablement surpris, on sait jamais, hein, mais voilà. Donc en vrai... Hop. Donc ouais, je... AMD sous Linux, ça marche bien mieux que sous Windows. Alors, pour la partie 3D, peut-être, quand il s'agit de faire autre chose que de la 3D, je peux te dire que c'est une vraie tannée. Et même sous Windows, d'ailleurs. Typiquement, dès qu'on veut faire du computing, le ROC-M, c'est bien parce que moi, j'ai une Radeon 7900 XT, que j'ai banqué bien cher, parce que c'est une des rares cartes grand public qu'AMD accepte de mettre dans ses bibliothèques pour faire du computing et derrière tout ce qui concerne les IA et notamment les IA génératives. Voilà. Si quand t'as pas une carte graphique haut de gamme et quand t'as pas une carte graphique dernière génération, c'est la merde. Et pour l'encodage vidéo, déjà que sous Windows, c'est pas glorieux. Pareil, typiquement, j'ai des petits problèmes de stabilité avec l'encodage. J'ai eu des problèmes avec l'instant replay en AV1, par exemple. La dernière fois que j'ai voulu enregistrer ma dernière minute de jeu pendant que j'étais en train de jouer, j'avais fait des super kills sur PUBG. J'ai appuyé sur la touche pour enregistrer, je regarde le fichier et il me fait un gros freeze de 10 secondes pile poil pendant le kill. Voilà. Ça, c'est AMD. Et quand tu sais qu'OBS sous Linux, c'est pas spécialement bien logé par rapport à Windows, ça me fait très peur. Mais ça se tente, ça se tenterait. Peut-être pas un vendredi soir. J'ai envie de me rajouter un deuxième créneau de stream, mais je sais pas quand dans les semaines, parce que c'est un peu compliqué. Je suis facilement claqué le soir. Du coup, c'est pas, mais et il y a des streams que j'ai envie de faire un peu plus en mode expérimentation comme ça, de bricolage, voire même de bidouille, de typiquement en direct de bidouille de scène OBS, pourquoi pas, hein. Même si j'ai commencé à faire des trucs en arrière-plan. Mais oui, enfin. Ça se tenterait, et puis en vrai, si ça marche mieux, ce serait un truc à faire. Hein. Je joue plus aux jeux de société en ligne maintenant. Un Raspi serait tout aussi utile. Non, on a toujours besoin d'une machine de jeu. Faut jamais. On a toujours besoin de faire un truc. Si on prend les issues qui ont trait à AMD, je peux te dire que. Hop là, là on voit AMD GPU encodeur en OBS, overutilize GPU. Donc là on est sur du Windows 11. Ça a été clos il y a une semaine, pourquoi? Support request, Razors and Bug Report. Ah ben, il est gentil, mais voilà. Dead Cells, à quoi il ressemble celui-là déjà, je me souviens plus. Ah oui, d'accord, ok. Oui, effectivement. Alors ça passerait pas sur un Raspi, hein. Je désolé de te doucher tes espoirs là-dessus. Et effectivement, oui, il y a moyen que ce soit un peu plus. C'est quoi ces prérequis, lui? Ah oui, d'accord, ok.
Il est sorti quand, lui, Dead Cells, tiens? 2018. Oh la vache. Ah, oh, le temps passe vite. Le temps passe vite. Et en plus, il y a eu des DLC. D'accord. Ok. Il n'y a pas une suite à ce jeu-là qui devait sortir, tiens. Alors, ce sera peut-être pas sur. Il me semblait qu'il voulait faire un. Il voulait pas faire un 2 ou un truc comme ça. Ouais, non, ça c'est un vieil article. 2023. Donc ils ont annoncé. Ok. En jeu de plateau. Ah oui, non, d'accord, ok. Tout ça. Oui, non, mais bon, faut arrêter les conneries. D'accord. Bah attends. Là, on vient de regarder ça. Dead Cells, ils nous disent quoi? C'est sorti en 2018. Ça demande une GTX 460. Qu'on rigole un petit peu. GTX 460, c'est sorti en 2010. Donc oui, hein. Avec un PC qui a 12 ans, ça tient. Ah bah c'est le neveu de mon beau-frère lui qui pourrait. C'est Tao qui pourrait jouer avec son PC. Largement d'ailleurs. Parce que lui il a une GTX 970 overclockée. Avec un vénérable Core i7 2600. Je suis bluffé par la durée de vie de ce PC. Bon, il aura appris, il y a quand même un orage entre deux en 2014, mais c'est un PC que j'avais monté ouais, en 2011-2012. Bon, à l'époque, il y avait une GTX 560. Il a tourné pendant 2 ans et demi, il a pris un orage, il est resté à l'arrêt pendant 2 ans, et en 2016, je l'ai remis d'aplomb, j'ai changé la carte graphique parce que la GTX 560 était claquée, j'ai changé la RAM. Il a fini au final avec 32 Go, avec du SSD d'un Tera, je crois. Quand j'ai changé, je l'ai repassé à mon beau-frère. J'ai changé en 2019, je l'ai repassé à mon beau-frère qui l'a utilisé là jusqu'en 2023, pendant 4 ans donc. Et le machin est toujours vaillant. Mais bon, voilà, il fait partie de ceux qui vont souffrir de la fin de vie de Windows 10. À mon taf, on reconditionne des PC. Il y a pas mal de vieux PC qui tournent assez bien sous Linux. Ouais, c'est pas surprenant, hein, parce que de manière générale, le noyau Linux, dès que le matériel a au moins 2 ans, à peu de choses près, à moins de tomber sur des trucs vraiment, comment dire? Je vais y arriver. Vraiment exotique. Les pilotes sont là. Et si tu vas pas chercher des distributions qui font exprès de rester longtemps sur des noyaux qui finissent très vite en retard, type oh Debian par exemple. Mais on sait pourquoi. Hein. Enfin ça c'est leur volonté. Et puis les mecs ils compilent quand même pour. Debian, c'est combien d'architectures? Ah, très drôle. Alors, si on veut. Alors, c'est quoi? Ça, c'est image informatique dématérialisée, non.
Image d'installation de taille réduite, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a encore 9 architectures. Ils ont déjà prévenu qu'ils voulaient s'en rajouter une parce qu'ils voulaient faire du risque 5 pour la prochaine. Et donc une fois que quand tu as besoin de compiler pour tout ça, bah, ça prend un peu du temps pour confirmer que tu peux compiler partout. Et donc forcément, tu freezes une version de noyau qui, quand elle sort, commence déjà à souffrir un peu son âge, parce que pendant ce temps-là, le développement du noyau, lui, il débite, c'est toutes les 9 semaines, hein, toutes les 9 semaines, une nouvelle version. Donc bon. Voilà. Et la politique, c'est de pas toucher au noyau. Alors, je vois, oui, j'ai une petite haine envers Ubuntu. Le truc, c'est que, mine de rien, dans tout ce que Ubuntu fait mal maintenant, il y a quand même des choses qui font pas trop mal pour leur distribution. Alors déjà, tu peux garder la même version pendant entre 5 et 10 ans, là, 10 ans même maintenant, je crois, ils essayent de viser, histoire de mettre une petite flûte à Red Hat. Et pendant la durée de vie de la distribution, ils mettent à jour le noyau pour avoir du support matériel plus récent. Et donc Ubuntu, ah, ils font plein d'autres trucs mal à côté, hein. On va pas reparler des snaps parce que là je pète un câble moi avec ça, mais pour la partie purement matérielle, c'est genre quand ils sortent la. Je sais. Alors là typiquement, la 2202 tourne avec la stack noyau de la 2310, je crois, un truc comme ça. Donc ils ont pris la version d'un an après, un an et demi après, ils ont backport le noyau pour dire bah, si vous avez du matériel vachement récent, hop, on peut l'installer. Et donc là, typiquement, avec la 2404, bah, la 2204 va à terme avoir droit au même noyau que la 2404. Comme ça supporte le matériel. Et si pour gérer le matos, il y a besoin d'autres dépendances. Alors typiquement, si on pense aux cartes graphiques. Bah, en dehors du noyau, faut Mesa, faut potentiellement des mises à jour de tout ce qui est compositeur, alors pas compositeur, mais bah, Wayland et Xorg, même si bon, Xorg ça bouge plus trop. Donc toutes les dépendances qui ont besoin pour que le matériel récent tourne, ça va tourner. Les mises à jour de firmware, backport, clac, pareil. Et donc du coup, bah, même si pour une raison ou une autre, on a besoin ou il est nécessaire de rester sur une version un peu ancienne, parce qu'Ubuntu 22, bah, ça a déjà 2 ans. Bah, là où un Debian 12 d'il y a 2 ans va commencer à galérer sur du matériel récent, hein, Ubuntu va s'installer beaucoup mieux parce qu'il aura accès à un noyau plus récent. Voilà, et Fedora c'est tous les 13 mois, je crois, c'est ça? Un truc comme ça? Et la durée de vie globale est. Bon, c'est quand même un peu léger. Le noyau, il peut se backport des versions plus récentes vers les anciennes, donc si on veut rester sur quelque chose d'un peu. Ça reste un peu léger. Donc voilà. Bon, moi, pour mes PC perso, clairement, voilà, j'ai appris à vivre avec Manjaro. Mais mine de rien, foutre ça sur le PC pour le stream, je suis pas sûr que ce soit la galère, quoi. J'ai jamais pu installer sur un de mes PC Ubuntu. Chaque fois, il y avait un problème, le son, l'affichage, les périphériques. Ah, ça. Ben, alors, qu'est-ce que j'ai testé? Je me souviens quand j'avais fait le. Migration Linux. Migration Linux. Alors, si je reprends le truc, j'avais fait des réflexions sur ce que j'utilisais à l'époque. Donc, j'étais sur un laptop Acer. Ah, et putain, puis en plus, je repars des trucs. Oh là là. la vache. Donc, il y a. Voilà, il y avait des logiciels que j'utilisais beaucoup à l'époque et où je cherchais. Des remplaçants, j'avais fait une capture d'écran de mon bureau sous Windows 7. Oh la vache. Ok, d'accord.
Et donc après, bah, il y avait des choix de... J'avais déjà quelques choix, donc on avait du Ubuntu, du Fedora, Mageia aussi. Debian évidemment, mais... Et donc ouais, et donc après, bah du coup j'ai fait quoi? Et donc j'ai testé des trucs. Alors après je sais pas ce que c'est quoi? Ah, il y a eu Mint aussi, ouais. Il y a des choses qui fonctionnaient pas bien. Ah ouais, j'avais des galères avec les partages réseau sous Windows. Enfin, des partages réseau de mon NAS, c'était terrible. Ça fonctionnait vraiment pas bien. Donc ouais, voilà, j'ai étalé vraiment pas mal de. J'ai pas mal de problèmes. J'ai viré Fedora, j'ai tenté Linux Mint. Bon, à l'époque, on était encore sur du GTK2, parce qu'ils avaient encore de. Ils n'étaient pas encore passés à GTK3. Et derrière, j'avais des grosses galères sur le matériel qui n'était pas. Voilà. Mais. Mais voilà, j'ai encore des surprises, j'avais des galères, j'avais encore des bugs avec le dock qui se lançait deux ou trois fois l'un par-dessus l'autre. Et entre-temps, bah, j'ai découvert Manjaro qui est basé sur Arch Linux. Alors Arch Linux, j'avais déjà bricolé un petit peu. Comment? J'avais déjà bricolé un petit peu avec mon tout premier laptop, un HP, que j'avais foutu en dual boot avec Windows XP. Et ce laptop avait la particularité de ne pas pouvoir démarrer à froid sous Linux. Il fallait absolument que je démarre Windows pour pouvoir redémarrer sous Linux après. Ça, c'était le matériel en 2009-2010. C'est beau. C'est faux. Mais à l'époque, sur cet ordinateur-là, bah, sous Linux, avec Wine, j'avais pu jouer à World of Warcraft. C'était très rigolo, parce que les premiers temps, ça buguait à mort, et j'avais pas le dessin de mon perso. C'est pas évident. Mais c'était un. Voilà, c'était Arch Linux, c'était mon premier contact avec tout ça. Et Manjaro, c'est vraiment un truc de flemmard. Mais c'est bien, au moins t'as tout, quoi. Et alors, il y a un OS que je regrette fortement car il passe partout, c'est Chapeau. Hein? Chapeau? Linux Mint, interface vieillotte, c'est sa marque de fabrique. Ben ouais, en termes d'ergonomie, Cinnamon cherche volontairement à rester particulièrement proche de Windows. Tout en ayant des fonctionnalités que tu n'as pas sous Windows. Mais sauf que maintenant, il y a des choses que j'ai sous Linux et que je commence à utiliser, enfin sous Windows, notamment Windows 11. Genre typiquement, quand on a. Alors le problème, c'est que te montrer ça. Oui, voilà, c'est derrière la fenêtre de. Derrière le truc de chat. Si j'ouvre ça, typiquement, là, voilà, quand je fais ça. Quand on passe sur le truc pour dire de. Le bouton pour agrandir la fenêtre. Bah, on peut choisir différents agencements, là, comme ça. Comment? Donc du 2 tiers 1 tiers, du moitié-moitié. Alors typiquement sur mon écran secondaire, j'ai moitié-moitié avec la fenêtre avec le gestionnaire de stream et la fenêtre avec OBS. Comment? Et ça, bah, souvent ce que je fais, c'est que quand OBS se lance, il est déjà sur la première moitié. Cinnamon, c'est Windows 98 XP. J'irai pas jusque-là, honnêtement. J'utilise au final, j'utilise Cinnamon aussi sur Manjaro depuis maintenant 6 ans. Et ça va vraiment bien.
Et c'est pas fondamentalement, je trouve pas ça fondamentalement moche ou rétrograde, hein. En vrai, en soi, ça fonctionne pas mal, hein. KDE, il y a beaucoup trop de choses en comparaison. Donc, I'm free. Il n'y a plus la vidéo YouTube, je suis dégoûté. Je sais plus pourquoi d'ailleurs, elle apparaît plus. Oh punaise, le lien il est en HTTP. Oh quel enfer! Allez, je comprends pourquoi. Mon Dieu. Le seul problème de KDE qu'on va avoir sur Cinnamon, c'est Wayland. Non, alors honnêtement, là pour le coup, Wayland, tu l'as avec tout le monde. Parce que quand. Alors quand j'ai quitté Accenture au mois de décembre et que je suis arrivé chez OnePoint et que j'ai demandé un PC sous Linux, ils m'ont filé un PC Ubuntu comme j'avais chez Accenture. Mais la session par défaut, c'est un Ubuntu 22.04, ils m'ont mis la session par défaut avec Wayland. Ça boîte du gnome, hein. Le multi-écran, c'était pas stable. J'ai essayé d'utiliser, c'était Flameshot, je n'arrivais pas à faire de capture d'écran. Ça ne marchait pas. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il fallait, sur quoi il fallait cliquer. Donc des fois il me capturait tous les écrans d'un coup. Des fois j'arrivais à avoir un pop-up où il me demandait l'autorisation de faire une capture d'écran, j'ai pas compris le délire. Et je n'arrivais pas à faire ce que je fais avec Flameshot depuis des années, c'est-à-dire clique sur un bouton et fais-moi le truc. Alors du coup, sur l'instant, après, derrière, j'ai découvert que c'était intégré dans Gnome et que du coup, avec un raccourci clavier, je pouvais faire ma capture d'écran en sélection de zone. Donc je suis passé là-dessus. Mais au final, comme c'était la gestion du multi-écran et la reconfiguration des écrans à la volée quand tu débranches et rebranches le dock, etc., pour repasser sur l'écran du portable et compagnie, c'était tellement pas stable que j'ai dit, ok, on arrête les frais, je repasse sur Xorg, et avec Xorg, j'ai plus aucun problème. Mais non, et Wayland, ça fait plus de 10 ans que c'est censé être le futur, et c'est toujours pas prêt pour aujourd'hui, donc à un moment donné, ça va, quoi. Je suis pas pressé de le voir arriver sur Cinnamon. C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein. Ah, pour l'instant, c'est toujours un pas en arrière. C'est chiant, mais c'est toujours un pas en arrière. C'est dommage, hein? C'est dommage parce que l'idée de repartir d'une feuille blanche pour avoir quelque chose qui, sur le papier, était. Comment? Qui, sur le papier, était censé amener plus de performance, ce qui n'est toujours pas forcément le cas. Et par contre, un peu plus de sécurité, oui, à partir du moment où tu ne sais pas travailler avec, oui, voilà. C'est sûr que quand tu ne peux pas faire certaines choses, tu risques pas d'introduire des failles de sécurité sur les trucs que tu peux plus faire. Mais bon, je trouve pas ça que je trouve pas que c'est une avancée. Mais mon Dieu, il est minuit. Ok. Bon. Donc ouais, malgré tout, voilà, si je tente des streams... Attends, c'est juste pas possible. Il est où mon... Pourquoi il veut pas me... Oh, punaise. Fiche pas les focus, putain, mais quel enfer! Mon téléphone. Hop, pitié. MFA. MFA, MFA. Il est où? Il est là. Hop. Si, non, mais t'es gentil, toi. C'est pas possible de faire ça. Parce
Est-ce que ça marche toujours au moins? Ah merde, bon bah non, la vidéo elle est morte. Ok. Oh fait chier. Attends, je sais exactement ce que j'avais mis comme vidéo. On va essayer de regarder si on peut. Est-ce qu'on a une autre vidéo qui permet de. Ouais, par exemple. Allez, hop. Hop, est-ce qu'on a la truc Je peux pas, on a plus les trucs embarqués. Si je fais. Si je fais ça, ça, je fais ça. Et que je fais ça, ça marche. Voilà. Hop, comme ça c'est fait. X11 n'est plus maintenu. Il est maintenu très à la marge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a plus de refonte de prévu. Il n'y a plus de nouvelles grosses fonctionnalités de prévu. En gros, on est vraiment en mode pur. Ah bah voilà. On est vraiment en pure maintenance. Est-ce que... Non, ça, ça va pas marcher. Ça. Oh merde, si ça marche. Incroyable. Comment c'est possible? Alors déjà, c'est le X serveur en fait. Et quand on regarde, c'est X.org, X serveur, c'est celui-là, et celui-là, sa dernière release. Il n'y a même pas de release là-dessus. C'est du 1.20, voilà, donc c'est la dernière version stable. Et après, il y a des, il y a des, le embed entre guillemets de Xwayland, il est là. Parce qu'il y a cette version-là, du coup aussi pour les compatibilités, enfin, pour les compatibilités pour les applis qui supportent pas Wayland nativement. Et ça, c'est pareil vu la complexité à faire, c'est, ça va rester pendant encore beaucoup trop longtemps. Donc ouais, c'est pas... Mais techniquement, voilà, il est pas... on peut pas dire qu'il est plus maintenu. Il y a toujours de la maintenance, mais par contre, faut pas s'attendre à avoir un... avoir une super nouvelle release, machin, etc. Parce que... Il y a une certaine maturité, on va pas se mentir, mais après, il y a une certaine vieillesse de l'archi qui fait que pour faire des trucs récents, c'est juste plus possible. Alors, je sais plus quels étaient les... Il y avait certains trucs... Alors, paradoxalement, maintenant, on sait le faire fonctionner, mais je sais qu'à une époque, ça galérait très fort. Ils nous disaient... pour faire du multi-GPU, c'est une tannée, pour faire... Et pourtant, j'ai eu l'occasion de voir pas plus l'année dernière que quand tu voulais avoir sur un, c'était sur le laptop d'un pote en Belgique qui est comment, qui avait un, donc c'était, il avait quoi, je sais plus, il était sur du processeur Intel ou AMD, je sais plus, avec une carte graphique Nvidia. Et donc, en gros, il était sur Ubuntu, il avait juste un clic droit à faire, et il choisissait sur quelle carte graphique il lançait son application, pour celle qui en avait besoin. Donc, typiquement, tous les jeux, bah, il pouvait les lancer sur la carte graphique, il n'avait pas besoin de faire des vieux trucs à l'ancienne, où il fallait faire des déconnexions, reconnexions de session avec... Et ça, a priori, c'était déjà sur, sur Xorg, quoi. Voilà, voilà. Hop, hop.
Bon, bah du coup, ça aura encore été un échec. Alors pour rigoler, on va essayer de... on va aller voir vite fait. Est-ce qu'il a... Oh nom de Dieu, il a fini. Incroyable, il a fini. Alors du coup, si on s'amuse à... Hop là, alors, du coup, on va... il écoute sur quel port le machin 80 QCTL. Port forward. SVC slash. Discours. Garuda en fainéantise, c'est pire que Manjaro. Alors, c'est peut-être pas la même mentalité. Manjaro, ils reprennent intégralement les dépôts. Enfin, ils copient l'intégralité des dépôts de Arch Linux. Et après, ils font certaines modifs sur leurs paquets, sur les paquets, sur leurs trucs, les trucs qui leur sont propres. Et donc, en fait, à intervalles réguliers, ils refont des synchros avec les dépôts de Arch. Garuda, pour être honnête, j'ai pas été regarder de près ce qu'ils faisaient. Est-ce que c'est juste les dépôts d'Arch avec un dépôt supplémentaire pour leur truc à eux et j'espère, si possible, rien qui vienne d'AUR par défaut. Alors après, dans la vie de la distrib, le problème, c'est que... Enfin, moi, typiquement, mon installation de Manjaro à côté, là, sur le laptop qui date de 2018... Bah, y a des paquets qui ont été sortis de la base d'Arch Linux, qui ont survécu un temps en tant que paquet AUR. Et maintenant, j'ai une liste longue comme le bras de paquets qui sont toujours installés, je ne sais même pas s'ils servent encore, mais qui sont marqués comme n'existant plus. Je ne sais pas si Garuda fait la même chose. Voilà. Puis alors après, bon, il y a l'état sempiternel débat sur le fait que derrière les gars, derrière Manjaro, ils ont monté une société pour essayer d'en vivre un peu. Que du coup, il y a des choix par défaut dans les images, dans les logiciels qui sont fournis, qui sont pas forcément très glorieux, sur notamment la qualité de la suite bureautique, par exemple. On va savoir que moi, j'ai toujours pas réussi à ouvrir proprement un seul fichier ou un seul fichier Microsoft qui vient du boulot. J'ai jamais eu une ouverture propre, donc LibreOffice, non, pas toujours. Mais le problème, c'est que LibreOffice, c'est du Node.js et ça bouffe à balles. C'est de l'électron, c'est une catastrophe en termes de consommation de ressources. Mais ça marche un peu mieux. Sauf si on veut avoir des macros. Ça ne s'est pas supporté. Donc du coup, c'est quoi Chaotic AUR, du coup? Je sais pas ce que c'est. Attends, bouge pas, je voulais faire ça. Alors déjà, je me souviens plus comment on fait un port forward, c'est... catastrophe. Donc c'est ça, on met le nom du truc et on met les ports. Du coup, c'est quoi? Port local sur port dans le pod. Ok. Donc on va mettre 80 80 2.80 et -n discours Oh si, oh il répond. Oh il répond le discours. Bon bah voilà, il est démarré. Incroyable. Et donc du coup, quand on avait fait le... J'avais récupéré le mot de passe admin tout à l'heure. Il est là. Il est là et je crois que j'avais mis Toto en admin. Hein. Ah, il me redirige vers le port 80. Tiens, c'est bizarre ça. Il aime pas trop, j'ai l'impression. Mais du coup, est-ce qu'il va m'avoir correctement créé le... Oui, il m'a connecté, Toto. Parfait. Donc là, si je vais dans l'admin, j'ai tous mes trucs d'admin.
Oh, c'est lent du cul. Hein. Bon, en tout cas, c'est démarré. Moi, j'y croyais plus. Je vais pleurer ma race sur la consommation de ressources de tout ça. Ouais, c'est-à-dire que là, ils branlent rien, ils bouffent déjà un CPU complet sur le. Ouais, faut être patient, hein. Faut être très patient. Bon, ok. Site logo, on s'en fout. Dark code, machin, etc. Ok, bon bah au moins déjà il a fini par faire ça. On est quand même toujours obligé de changer d'appli parce que l'auto-instrumentation c'est mort. Alors, chaotique-AUR, c'est quoi ça? Compiles AUR package for you so you don't have to. Ah oui, d'accord! Ah oui, quand tu dis que c'est flemmard, c'est vraiment flemmard. Oh la vache! Ah, les bourrins! D'accord. Ok. Oula. Pitié. D'accord. Ouais, alors j'ai pas forcément envie de me faire mal à ce point-là. Mais oui, d'accord, je comprends mieux. Ouais, bah faut avoir encore plus confiance, quoi, du coup. Parce que moralité, à la fin, tu récupères un paquet binaire et tu sais pas s'ils ont fait vraiment le truc à 200%. Là, on voit qu'il y a 3400 packages. Sur AUR, il y a combien de packages? On sait si on a un nombre, un truc comme ça de. Ouais. Bon, il se limite hein, quand même. Hein. Plus sécu que AUR. Non, pas plus. Pas plus, parce qu'en fait, ils partent des mêmes recettes. Donc, de toute façon, alors c'est plus sécur parce que s'ils font une curation supplémentaire par rapport au package. C'est quoi, mémorial? Non, ça c'est machin, package stat. Ils partent de la même recette, et quand la recette dit j'installe, enfin je vais récupérer une archive sur un dépôt Git ou quoi que ce soit, ou je vais récupérer des fichiers n'importe où, AUR c'est la recette à la base, hein. Techniquement tu peux même juste récupérer la recette chez toi et le builder à la mano, hein. Quand tu fais un truc, et donc quand tu regardes la recette de n'importe quel paquet, tiens, là, je vois VS Codium BIM. Alors là, lui, ça doit être encore pire, parce que du coup, il doit récupérer quoi? Donc, il récupère l'upstream URL, donc c'est VS Codium. Et derrière, il va chercher directement les releases dans TarGZ sur GitHub. Bon, ça va. Et après, il rajoute quelques fichiers. Ouais. Et pour install, je sais plus ce que c'est, mais il n'y a rien qui. Y a rien qui. Même si. Ils compilent de leur côté, au pire ça fait quoi? C'est juste que tu gagnes du temps sur l'installation parce que t'as pas à compiler toi-même. Alors je peux comprendre, j'ai certains logiciels où quand j'ai des mises à jour, ils s'amusent à recompiler des trucs à base de Qt5 ou des conneries comme ça. Effectivement, ça peut mettre quelques dizaines de minutes parfois à compiler. Parce que vieux pépère de 2018. Vieux pépère de 2018 avec un prosto de 2016. Oh, faut être. Être motivé. Mais d'accord. C'est quoi ça, les badges? First one box, d'accord, ok. All site settings.
Ouais, bon. Putain, je suis en train de m'endormir sur place. Hein. Oh, il va falloir qu'on arrête là pour ce soir. Bon, bah, fait chier. Du coup. Alors, j'ai encore passé une soirée pour rien. C'est un bonheur. Oh non, pour rien. Genre, on a quand même appris des choses avec le chart. Avec le chart sur Discourse. C'est long, c'est lourd. Pitié, ne faites pas ça. Voilà, tout simplement, si vous avez un forum à déployer, il y a plein d'autres applications, mais n'utilisez pas Discourse. C'est pénible. Alors, comme je dis, je suis un peu occupé ce week-end, du coup. Je garantis, à mon avis, le live, enfin le replay sur YouTube demain, c'est mort. Je vais l'annoncer tout de suite, j'aurai pas le temps de le faire. Et dimanche, je sais pas quand je rentre, donc ce sera peut-être dimanche, sinon ce sera lundi. Et pour le prochain live, je sais pas encore. C'est vendredi prochain, ça y a pas de souci. Parce que de toute façon, pour l'instant, je suis toujours pas décidé sur un deuxième créneau, donc on n'en est pas encore là. Mais comment? Soit je reprends ce truc-là et j'aurai eu le temps de me préparer une application qui va marcher avec la télémétrie, on pourra se pencher sur la télémétrie. Et le monitoring de manière générale. Soit j'ai un autre sujet et, qui sera complètement différent, peut-être un peu de matériel ou je sais pas. Comme j'aime bien varier un petit peu. Ah, je suis content la semaine dernière déjà d'avoir réussi à flasher le OnePlus 6 parce que mine de rien, pareil, téléphone de 2016, c'était pas garanti qu'on arrive à en faire quelque chose. Donc je suis content que ça fonctionne. Et comment? Et je sais pas, peut-être qu'on refera un truc avec. Pareil, j'ai pas là tout de suite, j'ai pas de sujet. Je crois pas que j'ai beaucoup de sujets liés à Android dans ma liste de merdasse là. Peut-être qu'on passera un moment avec Zelige, pourquoi pas. J'ai un délire avec Zelige d'ailleurs. Il faut que je vous explique. Très rigolo. Coolify un peu trop. Dans Coolify, il faut un peu de préparation, sinon ça tient pas. J'allais dire ça tient pas dans 2 heures, et là ça fait déjà plus de 3 heures. Alternative à Discord, alors ça, putain, quel sujet aussi. OpenTelemetry, vu qu'on va l'aborder dans le Chaos Engineering, bon, je sais pas s'il aura encore besoin. Peut-être qu'on reviendra sur les IA génératives, histoire de. Tiens, déjà, qu'est-ce qu'il y a dans les nouveaux modèles qui sont. Oh, le petit Llama 3.2, il est sorti en. Ils ont sorti les smalls. Et les gros, ils sont pas encore dispo en Europe parce que la réglementation, ça va pas. D'ailleurs, la justification de Meta pour pas sortir les grosses versions de Llama 3.2 qui sont multimodales, c'est RGPD, c'est pas stable. RGPD, c'est sorti en 2016. S'ils sont pas capables de savoir s'ils sont conformes à RGPD en 2024, ça en dit long sur leur niveau d'enculage en termes de données personnelles pour l'entraînement des modèles. Hein. On a quoi? Les Quen en code machin, en 1.5B, d'accord. Solar Pro, je sais pas ce que c'est. En 22. Design to fit in single GPU. What? 22 milliards de paramètres et pour que ça tienne dans un seul GPU? Non mais attends, il y a un truc qui va pas là. C'est quoi la doc là? De Dieu. Et pour que ça tienne là-dedans, comment ils font? C'est quoi? Tac tac tac, ouais. Ah ouais, ça tient sur un seul GPU, ouais.
Alors, 80 gigas de VRAM. Comment dire? Il me semble que c'est ce qu'on trouve sur les H100 de Nvidia. Alors, est-ce que... Bon, là, c'est la consommation électrique, mais alors, est-ce qu'il parle de la quantité de RAM qui les accompagne là-dedans? Ouais, c'est ça, voilà. On voit 8 Go H100, 640 Go de mémoire totale. Donc, si on divise 640 par 8, bah, ça fait 80. Voilà. donc, oui, bon, si vous avez 15 000 $, ça tient. Voilà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que. Oui, d'accord. Il faut arrêter des. Mais je sais plus, alors après, je sais plus ce que j'avais vu. C'était quoi? Putain, là, ils en ont rajouté une tartine. Hein. Je crois que c'était Phi. Ou Microsoft, ils donnaient. Alors non, c'était Phi 3. Il n'y a pas le 3.5. Mais pour Phi 3, ils avaient. Comment? Microsoft avait donné tous les détails. Voilà, il nous avait donné tous les détails sur l'entraînement, je crois. Là, voilà. Donc c'est pour entraîner Phi 3. Microsoft a utilisé 512 GPU H100. 80 gigas de RAM pendant 7 jours. Voilà. Ça. Ça, c'est. Voilà. C'est du lourd. Révolte alternative Discord. Ah oui. Ouais. Bah, il me semble. Hein, je crois que j'avais mis. Hop, réseau, machin, j'ai pris... Ouais, alors, Rocket Chat, Mattermost, Zulip, Revolt est là. Mais... il y a Element. Mais Element, c'est un client Matrix. Bon, voilà. Après, pareil, il y en a d'autres comme ça, ou des trucs qui sont censés... Et puis après, j'en ai viré d'autres qui sont pas... J'avais trouvé des noms d'appli, je t'ai passé je sais plus par quoi pour trouver des noms d'alternatives à Discord. Mais Revolt, la première fois que j'en ai approché, c'était vraiment encore ultra ultra expérimental. Et apparemment, ça n'a pas l'air encore. Si on veut le chat, la vidéo, enfin quand on voit toutes les fonctionnalités supportées par Discord, on est encore loin d'avoir une alternative qu'on peut héberger nous-mêmes. Ah, mais ils en ont rajouté là-dedans, hein, punaise. Donc ouais, je... Mais d'ailleurs... On va regarder... Oui. Je veux pas déployer Pixstral sur Kubernetes, je veux déployer Pixstral. Voilà.
alors manifestement, pour se servir des derniers modèles, c'est quand même quelque chose. Il n'y a vraiment pas de bonne alternative à Discord. Ouais, non, clairement. Clairement, clairement. Et pourtant, enfin, je veux dire, des applis de discussion texte, on sait en faire des très bonnes à base de canaux, machin, etc. Hein. Typiquement, tous les Rocket Chat et compagnie. La difficulté en termes de protocole, autant au niveau de l'audio, typiquement, intégrer les mécaniques de Mumble à un client comme un Rocket Chat ou même un Mattermost, ça devrait pas être si compliqué que ça, ou réutiliser les protocoles, et ça fonctionne très bien. Là où c'est compliqué, c'est pour la vidéo. Et puis l'autre difficulté, après, derrière, c'est la gestion sonore. C'est-à-dire que Discord, le traitement du son dans Discord, c'est de la magie noire, parce qu'ils utilisent un algorithme de suppression de bruit de fond à base d'IA, à base avec un service, avec une entreprise qui développe exprès un modèle pour les entreprises qui veulent intégrer ça dans leur logiciel de communication. Donc on est typiquement dans le... C'est même pas un truc torturé, c'est vraiment le truc le plus... Et c'est hallucinant d'efficacité. Mais comment ? Mais du coup, voilà, c'est complètement fermé, c'est... maîtrise rien, il n'y a aucun algorithme même de traitement de audio open source qui arrive encore à ce niveau là pour l'instant. Même KiwiRC sait le faire, c'est à dire KiwiRC, il sait faire quoi lui? C'est quoi KiwiRC? Alors, recherche. Online community and chat with diverse machin using KiwiRC web based client. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ouais, mais après, la difficulté, par exemple, serait de coupler un canal de communication texte avec un canal de communication audio typiquement hérité du Mumble, entre guillemets. Il y aurait quand même pas mal de boulot pour intégrer ça, mais ça doit pas être impossible non plus à faire. De reprendre la moelle de la communication en simplifiant peut-être tout ce qui concerne les ACL et compagnie, parce que ça peut être un peu ça peut être particulièrement compliqué à gérer dans Mumble et du coup ouais c'est qu'est-ce que je voulais dire à part ça, ouais, donc un autre sujet hein. J'encode du full HD en 60 fps en H264, 70% de l'encodeur vidéo. Bienvenue chez AMD. À l'époque des chats IRC Ajax, il y avait avec ça micro cam. Non, je pense pas. En tout cas, ça me parle pas. Non, parce que tout ce qui est visioconférence, déjà on a mis très longtemps à avoir un truc comme Jitsi Meet. Mais sur les chats IRC Ajax, on n'avait pas de. Il n'y avait pas d'audio, pas de vidéo, c'était du full texte. Après, on a commencé à avoir des applis de communication audio. Il y avait des débuts. De communication de poste à poste avec de la webcam, qui se souvient de NetMeeting? Alors là faut avoir autant de cheveux gris que moi hein, pour s'en souvenir de ce truc là en termes de communication web, c'est tout ce qui a été Zoom, Skype, enfin Skype déjà quand ils ont fait la refonte pour qu'il fonctionne en mode web, qui a permis d'avoir des... Mais c'est pareil, du coup, Skype, c'est d'abord de la communication audio-vidéo, ensuite, ils ont rajouté du texte dedans, à côté, mais c'est pas...
Et ni l'un ni l'autre ne sont performants pour de la communication en jeu, qui est quand même un des... Comment ? Qui est quand même un des trucs les plus marquants de Discord, c'est la performance audio pour le jeu. C'est un truc qui nous avait bluffé aussi quand on avait testé Mumble à l'époque, on était encore sur TeamSpeak 2, c'était la différence de latence entre les deux. Et la latence de Skype était pas mauvaise, mais la performance était pourrie, et surtout quand on était en ADSL avec des débits pas dingues, ça marchait pas bien. Mais bon, fermons tout ça. Il va être l'heure d'aller se coucher. Tiens, est-ce que... Pourquoi ils ont arrêté les releases au mois de juin? Donc ça, vite fait, c'est une petite interface pour utiliser du Stable Diffusion en local, hein. Y compris avec une carte graphique AMD. C'est surtout ça le problème, notamment sur la génération d'images, c'est trouver une application qui fait autre chose que du Nvidia, c'est quel... C'est infernal. Ok. Bon, allez. Sur ce, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour la participation. C'était sympa. On se retrouve. Alors pour Twitch, c'est vendredi prochain. Parce que c'est tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs. Le fait est que là, en ce moment, depuis la fin des vacances. J'ai réussi à me tenir et on en est à 2 ou 3 streams d'affilée sans que je sois absent. Voilà. On va essayer de continuer comme ça, même si à un moment donné, je vais forcément avoir des changements. Mais donc c'est tous les vendredis soirs. Et sinon, bah après, il y a des replays sur YouTube. Ensuite, on peut me croiser Twitter, Mastodon. Sky, même si techniquement je suis actif quasiment que sur Twitter. X, pardon, Twix, voilà, on va l'appeler comme ça, les doigts coupent. Hein. Et donc la semaine prochaine, bon, on verra bien. On a vu qu'il y avait de toute façon plein de trucs à faire, donc. On trouvera de quoi faire. Voilà. Sur ce, encore merci. Bonne fin de soirée, bonne nuit. Et puis à très bientôt. Ciao.